finances de Stèze. Donc tout d'abord, remercier les membres du jury, David Filia qui est professeur à l'INSA Barthes. Merci de reconnaître personnellement. Thierry Géraud, qui est professeur en informatique à l'école d'ingénieurs de l'EPITA, à Paris également. Ensuite, Rodolphe Gélin, qui est directeur de la recherche chez Aldebaran Robotics, donc avec qui le groupe Spéto collabore depuis pas mal de temps. Et ensuite, ton directeur de thèse, Florent Lemiro, et moi-même, Philippe Escobier. Donc tu as une vingtaine de minutes pour nous présenter ton travail. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir fait le déplacement et à mes rapporteurs de bien avoir voulu relire mon manuscrit de thèse. Je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux qui ont porté sur l'optimisation numérique et l'exécution de trajectoires référencées capteurs pour la robotique humanoïde. Je vais tout d'abord commencer par replacer mes contributions dans le contexte d'une architecture classique en robotique, qui est l'architecture perception-décision-action. On a donc d'une part la perception, qui est composée des capteurs du robot et des algorithmes qui le traitent, la décision, qui, à partir de l'estimation de l'environnement que fournit la perception, va élaborer une stratégie pour réaliser la tâche assignée au système, et enfin l'actionnement, qui est composé des moteurs du robot qui sont commandés par un logiciel qui fournit le déplacement, le mouvement du robot. Et on a donc une boucle ici de la perception vers la décision. La perception estime l'environnement, les alentours du robot, qui communique cette estimation de l'environnement à la décision, qui élabore une stratégie, et l'actionnement va donc mettre en musique ce plan et l'exécuter dans le monde réel qui ferme la boucle. La première contribution est un formalisme informatique de représentation des problèmes d'optimisation numérique, appelé roboptime. La seconde contribution est, on pourrait faire une analogie avec les humains, une boucle réflexe, c'est-à-dire que comment lier directement la perception à l'action sans passer par une phase décisionnelle pour rendre compte des erreurs d'exécution lors d'un mouvement et pour s'adapter rapidement à des changements. Lorsque la boucle décisionnelle, une décision avec toutes les étapes habituelles est trop lente. La troisième partie concernera les primitives de mouvement. Primitives de mouvement, finalement, c'est une discussion sur quelles sont les informations pertinentes à passer de la décision à l'action pour réaliser un mouvement asservi. Et enfin, je terminerai sur une partie plutôt intégrative qui va faire le point des différentes technologies, des différents algorithmes qui ont été mis en œuvre pour réaliser cette architecture complète sur notre plateforme expérimentale, le robot HRPV. Mais avant directement de parler des contributions de cette thèse, je vais d'abord introduire comment est-ce qu'on génère une trajectoire. L'objectif ici est de commander un robot humanoïde, et donc de générer une trajectoire qui remplit un but. Afin de réaliser cette tâche, il est nécessaire de prendre en compte des contraintes. Des contraintes qui sont les limites en position, en vitesse et en couple des actionneurs, qui sont des contraintes physiques liées à la mécanique du robot, l'autocollision et les collisions avec l'environnement, l'autocollision étant liée à la forme géométrique du robot, un corps peut arriver en collision avec un autre, donc il est important de trouver des trajectoires qui ne rentrent pas en autocollision. Et un dernier point que je vais détailler plus en détail, qui est l'équilibre. L'équilibre a donné lieu à de nombreuses recherches en robotique humanoïde, dans la mesure où c'est réellement le point clé qui différencie la robotique humanoïde de la robotique mobile. C'est on doit trouver des trajectoires qui non seulement satisfassent la tâche qui est assignée au système, mais surtout qui préservent son intégrité, son équilibre. Pour ce faire, on peut analyser via les équations de la dynamique, donner une relation entre, d'une part, la variation de quantité de mouvement du système, x point, x est le centre de masse du système, sigma, le moment cinétique du système autour du centre de masse, et d'autre part, les forces qui s'exercent sur le système. Dans le cas d'une marche simple sur un plan, on va donc avoir d'un côté la gravité qui s'exerce, et de l'autre, les forces de contact. Les forces de contact ont une particularité, c'est que ce sont des contraintes unilatérales, dans le sens où le sol va résister à l'appui du robot, mais ne pourra jamais s'opposer au décollement du pied.
cette inégalité qui s'exprime sur les forces de contact, qui doivent rester positives, peuvent être réécrites comme une condition sur la variation des quantités de mouvement via les équations de la dynamique. Cette réécriture donne lieu à un critère de stabilité et à la définition d'un point spécifique, le zero moment point. Ce point, lorsqu'il est dans le polygone support, c'est-à-dire l'enveloppe convexe des points de contact du robot, permet d'assurer que la trajectoire est dynamiquement stable. On a donc ici un robot vu de haut, son pied gauche, son pied droit, en orange l'enveloppe convexe et le point au centre, le ZNP. Pour réaliser une trajectoire de marche, on va donc déterminer une trajectoire de ZNP. Toutes les trajectoires de ZNP qui restent dans le polygone support sont admissibles pour réaliser le mouvement. Et on va donc tout d'abord passer le point sous le pied gauche afin de pouvoir décoller le pied droit, ce qui change l'enveloppe convexe, passer durant la phase de Duclos support le ZNP du pied gauche au pied droit, et en itérativement, en répétant ce processus, arriver à générer un mouvement de marche. On a ici l'équation du ZNP, l'équation complète que l'on peut déduire des équations de la dynamique, qui mettent en jeu d'un côté la position du ZNP et de l'autre la position et l'accélération du centre de masse, ainsi que la variation des moments cinétiques. La masse du robot et la constante de gravité jouent également un rôle ici. Malheureusement, la résolution, en particulier en temps réel, de ce système n'est pas toujours facile et n'est pas toujours assez rapide. On a donc introduit un modèle linéaire à condition de réaliser deux hypothèses. Tout d'abord, négliger la variation des moments cinétiques et contraindre le mouvement du centre de masse sur un plan. On a donc ZG constant, Z point point G, ça nous. Ici, à l'aide de ces hypothèses, nous passons d'une équation, une équation linéaire qui admet une solution analytique et qui nous sera utile en particulier pour finalement pouvoir corriger l'état du rebond. On détaillera dans la seconde partie, mais ce modèle linéaire est particulièrement adapté pour les traitements de temps réel. On va donc résumer. Finalement, pour faire marcher un robot, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut tout d'abord la génération d'une pile de pas. On peut utiliser un algorithme de recherche aléatoire, par exemple, pour aller d'un point A à un point B, et donc au bout d'un moment, on va pouvoir générer une pile de pas. Une fois qu'on a cette pile de pas, on a donc une connaissance de l'enveloppe convexe du polygone support au fur et à mesure que le robot va exécuter cette trajectoire. On va donc décider une trajectoire de ZNP avec une heuristique quelconque, et à partir de la résolution de l'équation différentielle, en déduire une trajectoire de centre de masse correspondante. De manière indépendante, on va générer une trajectoire des pieds qui va relier les pas les uns aux autres de manière synchronisée. Une fois ces trajectoires de référence établies, on obtient ce type de résultat. C'est-à-dire que à droite, on a donc une pile de pas en rouge pour le pied droit, en vert pour le pied gauche. La ligne verte qui réalise un zigzag, c'est la trajectoire du centre de masse. Et ici, en bas, qu'on voit moins bien, on a également les trajectoires des pieds qui vont de proche en proche, d'un pas à l'autre. Toutes ces trajectoires combinées permettent à la fois de définir un mouvement qui réalise la tâche que l'on souhaite effectuer, sans toutefois contraindre totalement le robot. Puisque ce n'est pas ici une trajectoire qu'on compte, on a des trajectoires de référence, et tant qu'on les suit, on dispose d'une certaine marge de manœuvre sur les degrés de liberté supplémentaires du robot, par exemple le mouvement des bras ou de la tête, qui vont permettre d'exécuter par exemple d'autres tâches, à servir visuellement sur une amère, par exemple. Donc, ensuite, il reste pour exécuter ce mouvement en réalité à résoudre un problème d'optimisation, c'est-à-dire trouver la vitesse instantanée des articulations à chaque moment du temps qui va permettre de respecter les trajectoires de référence qui ont été générées préalablement. Ceci est un exemple de problème d'optimisation. Il est nécessaire de donner un cadre informatique pour la résolution de ce type de problème, ce qui nous amène à la première contribution, RoboOptim. Un autre exemple d'application de l'optimisation numérique à la robotique, c'est par exemple la planification de trajectoire. Il est courant en robotique d'utiliser des algorithmes de recherche probabilistes pour se frayer un chemin dans des espaces hautement dimensionnés pour trouver un chemin d'un point A à un point B. Cependant, une caractéristique
limitantes de ces algorithmes est leur tendance à générer des trajectoires trop longues ou inutilement complexes. On va donc avoir un souhait naturel, c'est celui de post-traiter ces trajectoires pour pouvoir les raccourcir. Dans ce cas-là, ce post-traitement peut être également formalisé sous la forme d'un problème d'optimisation. Un problème d'optimisation a une forme finalement très simple dans le sens où, ou en tout cas très générique. C'est-à-dire que finalement, on a un espace de recherche des solutions et à chaque point de cet espace de recherche des solutions, on va associer un coût, f de x, ou x, donc c'est le point dans l'espace de recherche des solutions. Ici, donc, la fonction coût va associer au point de qualité faible un coût élevé et aux points les plus intéressants qui fournissent des actions que l'on souhaite privilégier, un coût faible. On a donc ici des creux et des bosses, et itérativement à partir d'une estimation initiale, on va réaliser une recherche locale, c'est-à-dire que finalement en étudiant les dérivées de la fonction de coût, on va choisir la direction dans laquelle la pente est la plus forte, descendre dans cette direction, s'arrêter, réaliser le même traitement, c'est-à-dire regarder autour de soi quelle est la direction où la pente est la plus forte, et itérer de cette façon jusqu'à arriver au fond du trou, c'est-à-dire à un point où l'algorithme regarde dans toutes les directions autour de lui, et toutes les directions sont localement plus mauvaises que celles où on est. Autrement dit, on ne peut que remonter. Et là, l'algorithme s'arrête et dit « Je suis parti d'une estimation initiale, je l'ai améliorée, j'arrive à une meilleure solution, mais en aucun cas, on a la possibilité d'être certain qu'il n'existe pas un trou plus profond, plus loin, au-delà du voisinage qui est envisagé ici. » En général, ce problème dit des minimums locaux n'est pas trop contraignant en robotique, dans la mesure où on a besoin d'avoir une meilleure solution, on souhaite l'améliorer, mais il n'est pas forcément nécessaire d'avoir la meilleure solution parmi toutes les solutions possibles de l'espace de recherche. D'autre part, rares sont les problèmes où toutes les solutions sont acceptables. On a vu en première partie les différentes contraintes qui s'appliquent à un problème de robotique. L'autocollision, la collision, les limites en couple, en position. Et pour transformer, contraindre l'espace de recherche des solutions et définir un espace où les solutions sont acceptables, qui respectent des contraintes d'équilibre et les contraintes physiques du robot, eh bien on va associer à la fonction de coût des contraintes, un ensemble de contraintes, soit égalité, soit inégalité, qui nous permettent de définir l'ensemble des solutions acceptables. Alors, selon le type de fonction de coût et de contraintes, différents solveurs, différentes stratégies de recherche existent. Le problème, c'est qu'ils arrivent chacun en général avec leur formalisation. Alors, ce qui est contre-intuitif pour les roboticiens, puisque finalement le souhait naturel des roboticiens, ce serait de dire, eh bien, j'ai un problème de robotique à résoudre, je vais créer des fonctions de coût, des contraintes, essayer de formaliser mon problème, tenter différentes approches, et une fois que j'arrive avec un problème qui me semble bien formulé, choisir un solveur adapté. C'est pas directement possible à l'heure actuelle, dans la mesure où, en général, on est contraint par le solveur. On commence par choisir un solveur et on fait ce qu'on peut pour que le problème aille dans le solveur, ce qui est plus difficile et inefficace quand on fait, par exemple, du prototypage rapide, ce qui est souvent le cas en recherche. Un autre problème, c'est la polyvalence. Finalement, les problèmes de robotique se ressemblent. Les contraintes de distance, d'autocollision, de limites, les contraintes d'équilibre peuvent resservir dans des cadres très différents. Et le problème est donc de savoir comment découpler, d'un côté, les fonctions qu'on écrit, et de l'autre, les solveurs que l'on utilise. Et pour cela, on va proposer une formalisation informatique abstraite des problèmes d'optimisation numérique. Donc, rentrons un peu dans le détail. Ici, on a donc, tout d'abord, on va commencer par définir une hiérarchie de fonctions. Alors, un rappel de programmation orientée objet, qu'est-ce que ça signifie ? La généricité en programmation orientée objet. Ça signifie, imaginons qu'on a une fonction f, qui prenne en entrée un type a, il peut également prendre un type b ou c en entrée, mais à condition que b dérive de a ou c dérive de a. Eh bien, finalement, cette relation d'héritage, de sous-typage, définit une relation d'ordre sur les types, qui nous permet de les échanger. Malheureusement, quand on s'apprête à représenter informatiquement des problèmes d'optimisation numérique, il n'y a pas d'ordre naturel sur l'ensemble des fonctions mathématiques. Un choix a donc dû être fait,
qui est de dire, eh bien, dans le cadre de l'optimisation numérique, notre hiérarchie va être définie par le niveau de différentiabilité des fonctions. On va avoir une classe mère qui ne peut servir qu'à évaluer la fonction, puis une fonction dérivable qui également fournit le calcul du jacobien, puis du hessien, et une généralisation au cas n, où on a un type, une famille de types générée par un métatype. Dans le cas où n égale 3, on va dériver de la fonction dérivable 2 fois, et dans le cas où n est supérieur à 3, on va dériver de la fonction dérivable n égale n moins 1 fois. On a donc ici une chaîne de types qui est créée avec une relation d'ordre, et qui va nous permettre de dire, eh bien finalement, si dans mon problème d'optimisation numérique, ce n'est pas une fonction qui peut juste s'évaluer et donner un gradient, mais j'ai également les siens, mais le solver ne l'utilise pas, on va pouvoir interchanger les types de fonctions de manière transparente. D'autre part, évidemment ici ce ne sont que des interfaces, c'est-à-dire c'est à la responsabilité de chacun de dériver chacune de ces classes d'interface pour implémenter son propre comportement et implémenter ses propres algorithmes. Donc ça y est, on a des fonctions de coût, des contraintes, elles vivent chacun dans leur monde, et on est capable de les trier. Maintenant, il faut encore en faire un problème d'optimisation. On va donc ici s'attaquer à ce qu'est une classe de problème d'optimisation. C'est-à-dire finalement, quelle est la caractéristique qui fait qu'un problème peut être soluble par un solver ou pas ? Bien, ici, le parti pris de RoboPtim a été de dire que la complexité d'un problème d'optimisation est la donnée des types F, C1 et CN qui sont respectivement le type de la fonction de coût et les types des différentes contraintes. Finalement, si on a F, une fonction pour laquelle on sait calculer le gradient et le hessien, et C1, CN, des fonctions pour lesquelles on sait calculer que le gradient, on va être capable de représenter ainsi une classe de difficulté pour les solvers numériques. À l'intérieur de cette classe, on va avoir l'estimation initiale, le point de départ de la recherche, les bornes sur les variables d'optimisation, le coût F, et un tableau de contraintes de type CI de 1 à N, borné par une valeur minimum et une valeur maximum, qui peuvent éventuellement être moins l'infini ou plus l'infini, pour avoir des contraintes unilatérales. D'autre part, le solver, lui, va prendre en entrée un type problème, donc, comme décrit dans la slide précédente, et fournir une méthode résout qui va tenter de donner un résultat au problème d'optimisation numérique. Un autre type qui, lui, est relativement décorrélé, mais qui est assez intéressant pour montrer la généricité du problème, c'est un type de différence finie. C'est-à-dire, via un design pattern décorateur, on va avoir un type différence finie qui est paramétré par un type F, et qui va fournir le calcul des jacobiens par différence finie à n'importe quel type de fonction, y compris les fonctions pour lesquelles il est difficile d'obtenir un gradient analytique, pour différentes raisons. Eh bien, finalement, ce que réalise cette opération, c'est qu'elle fournit des informations supplémentaires à une fonction donnée. C'est-à-dire que finalement, on va augmenter le nombre d'algorithmes possibles qui peuvent résoudre le problème d'optimisation dans lequel cette fonction serait insérée. Ce qui va ainsi nous permettre d'étendre la possibilité de résolution, mais de manière explicite. C'est-à-dire c'est à l'utilisateur d'instancier un type différence finie. Il n'y a jamais de coûts de calcul, des coûts algorithmiques supplémentaires qui sont insérés dans le dos de l'utilisateur sans son accord préalable. Autrement dit, il y a trois bonnes propriétés qui sont définies par ce formalisme. La correction par typage, c'est-à-dire qu'on a un typage fort, les solvers ne peuvent recevoir que des problèmes qu'ils sont capables de résoudre, mais également généricité, dans le sens où si une fonction a trop d'informations, c'est-à-dire le solver en l'occurrence a besoin des gradients, mais on a également des hessiens, voire des dérivés d'ordre supérieur, on peut également construire le problème et lui donner, et il va être capable de les accepter. Et inversement, efficacité, c'est-à-dire qu'on a des outils qui peuvent faire des approximations de gradients, il y a également des techniques pour approximer les hessiens, qui vont permettre de résoudre tous les problèmes, mais dans ce cas-là, c'est à l'utilisateur d'accepter explicitement le fait de sacrifier du temps de calcul, finalement, au fait de ne pas avoir à donner une méthode pour calculer le gradient analytiquement. Finalement, on en arrive à ce schéma, qui
qui représente toute l'architecture de RoboPsy. On a ici bien les deux points qui ont été décrits précédemment, c'est-à-dire d'une part les solveurs en haut, CFSQP, IPOPT, CELINPACK, CFSQP, IPOPT, donc prenant des fonctions de coût C2, des contraintes linéaires ou non linéaires, CELINPACK étant dédié aux problèmes de moindre carré, RoboPtimCore, l'interface, la modélisation, la représentation informatique qui a été décrite précédemment, et des couches métiers. RoboPtim Trajectory Posture, dédié respectivement à l'optimisation de trajectoire et à l'optimisation de posture. On a donc d'un côté bien un découplage entre les solveurs, d'un côté, et les couches métiers, les fonctions de coût et les contraintes, de l'autre. Plusieurs applications ont été réalisées avec RoboPtim. Ici, je vais en montrer deux. La première, ici, a été donc le sujet de mon stage de recherche, dans la mesure où l'objectif était à la fois de commencer le développement de RoboPtim et d'optimiser les trajectoires de marche du robot HRP2 afin de post-traiter des trajectoires générées par des algorithmes probabilistes. Et la seconde partie, qui a été l'utilisation de RoboPtim par Karine Bouillermann, a été dans la génération de mouvements multicontacts. Ici, ce que l'on voit, contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue, pas du tout une trajectoire. C'est une séquence de postures statiquement stables. Le but est ensuite de les relier pour générer un mouvement dynamique par la suite. Mais là, ce que vous voyez, c'est HRP2 commence par chercher un ensemble de points de contact, et ensuite, pour chaque point de contact, il va générer une posture selon des critères de stabilité quasi statique, et évidemment le fait de garder les points de contact aux emplacements prévus. Donc on le voit dans deux cas de planification particulièrement difficiles. Et ici, typiquement, c'est une utilisation de RoboPtim. Par exemple, on peut imaginer pouvoir récupérer les fonctions de coût et les contraintes qui ont été définies pour résoudre ce problème dans d'autres cadres, sans difficulté particulière. Voilà. Ceci conclut la première partie vraiment sur la représentation informatique des problèmes d'optimisation numérique. Et on va passer maintenant à la seconde contribution, qui a été la correction de pas et l'exécution de trajectoires de locomotion en boucle fermée. Alors, revenons à ce que nous disions tout à l'heure. On a donc des trajectoires de référence pour le centre de masse, le pied gauche, le pied droit, et on va les injecter dans un contrôleur dont l'objectif est de générer à chaque moment une vitesse articulaire pour les moteurs du robot, qui actionne le robot. Donc, ici, on a un exemple où HRP2 va donc utiliser un composant décisionnel pour planifier les pas. Une perception est gérée par un système de capture de mouvement qui va donc communiquer la position de deux obstacles à la partie décisionnelle, et la planification des pas change en temps réel, change rapidement, de manière relativement réactive. Le but ici est d'atteindre le rectangle orange, et donc des trajectoires de pas, de centre de masse sont générées et sont envoyées au contrôleur qui se charge de calculer la commande nécessaire pour réaliser le mouvement et suivre les tâches. Ici, on a un autre mouvement complexe et très contraint où HRP2 enjambe une barre. Et ici, il est facile de voir que si on a par exemple un glissement au dernier pas, eh bien, on n'est pas capable de repasser par la phase de décision, de régénérer une trajectoire et de la renvoyer au contrôleur en un pas. On avait dans cette démonstration un horizon fixe de deux pas, c'est-à-dire que finalement, pour une raison simple en fait, c'est que les algorithmes de recherche probabiliste, il est difficile de donner une borne supérieure au temps de calcul, au temps de recherche, on trouve une solution. Et donc du coup, il est relativement simple, en augmentant le nombre d'obstacles, en contraignant l'environnement, de faire en sorte que les temps de calcul de l'algorithme de planification soient de plus en plus longs, et qu'il soit donc de plus en plus difficile de corriger la trajectoire à temps en repassant par un composant de décision. On a donc, ça a donc motivé notre travail pour, en fait, court-circuiter finalement cette étape de décision et se dire, on va déformer localement les trajectoires en passant directement de la perception à l'actionnement sans replanifier. Ici, voyons ce qui se passe en pratique. On a une pile de pas qui est générée par un mouvement, un composant de décision, et ici, le robot exécute sa trajectoire. Commence, évidemment il y a des erreurs d'exécution, donc il dérive, et au bout d'un moment on estime que la dérive est trop importante, on veut corriger. On va donc changer les pas futurs pour les ramener dans le plan. Mais évidemment, ça ne suffit pas, puisque le robot continue de dériver, il est nécessaire tous les deux pas
de transformer les trajectoires, les déformer localement, afin de rester proche du plan. Cette partie a été intégrée au contrôleur. Le contrôleur, c'est le logiciel temps réel qui génère la commande du robot, qui résout ce fameux problème d'optimisation, à partir qui permet de suivre les trajectoires de tâches. Eh bien, finalement, cette partie qui permet l'adaptation réactive, c'est un composant critique du robot. Dans la mesure où on doit générer une commande dans le cadre d'HRP2 toutes les 5 millisecondes, soit 200 Hz, eh bien finalement, tout échec de ce composant aboutit à l'échec du système. Et en particulier, utiliser une équation complète de la dynamique et du ZNP est compliqué. On a donc décidé d'utiliser un modèle linéaire. On va revenir après. Tout d'abord, voyons comment fonctionne le schéma de contrôle. On a donc une pile de pas S qui est passée à un logiciel dans la partie décision qui va générer les trajectoires de référence pour les pieds et le centre de masse. Et ensuite, le composant de localisation dans la partie perception va fournir une estimation de la position du robot qui sera comparée à la position prévue par le plan et va permettre une régénération des trajectoires de pieds, gamma pied COM et gamma pied. Gamma prime pied, gamma prime COM. Ces deux trajectoires modifiées sont ensuite envoyées au contrôleur, qui va lui générer le Q point, la vitesse des articulations à tout moment du temps. Ici, voyons voir sur un exemple comment ça se passe, parce qu'il est nécessaire d'avoir une correction synchronisée des deux pieds et du centre de masse. C'est-à-dire que on a assuré le plan, et les rectangles pleins correspondent aux deux pieds. Mesurer, là ici on a une erreur d'exécution, il va être nécessaire de faire un pas plus grand pour réaliser le plan finalement. Donc ici on voit qu'on commence par faire un pas avec le pied droit, donc la courbe verte va rejoindre la courbe pointillée, la courbe violette va rejoindre également le pointillé dans un deuxième temps alors qu'on fait le deuxième pas, et la trajectoire du centre de masse est corrigée lors du premier pas. Donc, ici on s'aperçoit qu'il est nécessaire de corriger sur deux pas, finalement, à cause des contraintes qu'on a fait d'avoir des points de contact avec le sol. On ne peut pas tout corriger de manière simultanée, comme par exemple en robotique mobile, et il est nécessaire d'avoir finalement une correction en deux pas. Alors, la question qu'on peut se poser, finalement, c'est est-ce que cette déformation des trajectoires de référence est correcte? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on ne va pas compromettre l'équilibre de la trajectoire en changeant la position d'arrivée des pieds? En utilisant donc le modèle linéaire, on est capable de générer le delta, finalement, la transition entre l'ancienne trajectoire de COM et la nouvelle, dans la boucle temps réel, ce qui nous permet d'assurer la correction du mouvement. Alors, voici typiquement le genre de résultat qu'on peut obtenir avec une correction de pas. Ici, sans correction, le robot dérive d'un centimètre à peu près par pas, sachant qu'évidemment, cette dérive dépend du scénario, dépend des trajectoires des pieds, dépend du sol. Alors, c'est ce qu'on a mesuré sur cet exemple précis. Et là, on a une navigation dans un environnement très contraint. C'est-à-dire que finalement, eh bien, à chaque pas, on est obligé d'être précis à 1 ou 2 cm près, sinon on marche sur les obstacles. Ce type de trajectoire n'est pas réalisable sur un robot humanoïde sans correction réactive. Ici, on peut voir de manière plus précise la faible marge de manœuvre que possède le robot. Ici, la position du robot est estimée par un système de capture de mouvement et on a une atteinte de la position finale qui, avec ce système de correction de pas, est de l'ordre de la précision du système de localisation. Notre système de capture de mouvement est précis au centimètre près. On atteint et on suit la trajectoire le long du mouvement à 1 cm près, à peu près. La troisième partie concerne des résultats préliminaires en termes de primitives de mouvement. C'est-à-dire que finalement, on est capable de se dire eh bien, on sait exécuter de manière précise une trajectoire avec un robot humanoïde. La question, c'est finalement, pour arriver à des scénarios plus complexes, il faut adjoindre à la fois de la locomotion et de la manipulation.
Alors, on peut voir, cette vidéo est extraite des résultats de la thèse de Sébastien Dalibard, une animation qui montre HRP2 en train d'ouvrir une porte. On est donc capable de trouver, via donc, un algorithme de planification, une trajectoire qui va permettre ce scénario. La question est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas en vrai, finalement ? Bien, tout d'abord, principalement à cause des erreurs de localisation, des erreurs d'exécution. Parce qu'il va falloir, avec le composant, par exemple, expliqué précédemment, être certain que lorsque la trajectoire de marche vers la porte termine, eh bien finalement la poignée soit dans l'espace d'accessibilité du bras, qu'on soit capable de l'atteindre, et ensuite, comme la position n'est jamais parfaite, être capable de déformer cette trajectoire de bras pour réellement mettre la main sur la poignée. Une solution qui est proposée ici, et un langage de description a été développé pour formaliser informatiquement ce processus, et de dire on a une séquence de contrôleurs différents. Tout d'abord équilibre, qui correspond aux tâches précédentes, centre de masse, pied gauche, pied droit, une tâche de posture pour contraindre la position du haut du corps. Puis on y rajoute une tâche de bras droit, bras gauche, bras droit, lorsque l'on va être obligé de passer d'une main à une autre pour saisir la poignée, bras droit, et ensuite on peut continuer le mouvement, etc. Cette séquence de contrôleurs, qui doit être planifiée, et dont les transitions doivent être réalisées en ligne, nécessite à la fois de planifier des tâches, mais également de planifier une séquence d'asservissement. C'est-à-dire qu'ici, on a des amers. Au départ, on a, par exemple, on va s'asservir sur la porte. On peut soit s'asservir sur la porte, utiliser un système de localisation type SLAM ou odométrie visuelle qui va nous donner finalement la position du robot dans le monde. Et à partir du moment où on est devant la porte, ce qui compte, c'est la position relative du bras par rapport à la poignée. On va donc changer de système de localisation et utiliser du suivi d'objet ou un algorithme de vision pour finalement avoir un bon comportement du système de localisation, à savoir le comportement qu'on souhaite, c'est que l'erreur de localisation tende vers zéro au fur et à mesure qu'on réalise la tâche. Et la possibilité d'avoir un formalisme qui va non seulement inclure des tâches, mais également des informations supplémentaires qui vont permettre d'asservir l'exécution va nous être ici extrêmement utile et nécessaire pour réaliser des scénarios complexes. Malheureusement, on a manqué de temps pour valider ces résultats sur le robot de manière expérimentale, mais on a déjà travaillé sur la correction des trajectoires de bras et il manque encore la possibilité donc, d'intégrer l'ensemble des technologies pour réaliser, par exemple, un mouvement de manipulation précis. La quatrième partie de cette présentation correspond à la partie intégrative, c'est-à-dire qu'il a été nécessaire, dans le cadre de ce travail, de réaliser à la fois des intégrations d'algorithmes de l'état de l'art, l'intégration d'algorithmes de laboratoires de recherche partenaires, pour permettre d'intégrer la localisation. Il a fallu avoir, pour réaliser ce type de démonstration robotique, des composantes de localisation dans la partie perception, un composant décisionnel et un composant d'action. Ici, trois systèmes ont été principalement utilisés. Un système de capture de mouvement, avec une précision de plus ou moins 1 cm, avec le principal problème étant de fonctionner dans un environnement instrumenté, qui nous a ensuite permis d'avoir une vérité terrain. Un algorithme de suivi d'objets basé sur l'asservissement visuel et qui a été développé dans l'équipe Lagadic à l'INRI à Rennes, qui donne une précision à quelques centimètres près, mais qui a le désavantage d'être une méthode locale. C'est-à-dire finalement, si le tracking de l'objet est perdu à un moment, il est difficile de retrouver, de récupérer ce tracking. Et enfin, une méthode d'odométrie visuelle, qui elle a une précision plus faible, mais a l'avantage d'avoir d'être une méthode globale, c'est une carte d'amer dense, qui va nous permettre à tout moment, donc même en cas de kidnapping du robot finalement, de retrouver une position à condition donc d'y coupler une carte de l'environnement. Ici, on a un exemple de scénario qu'on aurait voulu pouvoir valider, qui est d'aller vers l'étagère pour y poser un objet. Ici, il est d'abord naturel d'utiliser un algorithme de localisation, type SLAM, odométrie visuelle, pour avoir une estimation de la position du robot durant la marche, et ensuite changer de pile de tâches, finalement, changer vers
une tâche qui en plus contraint le mouvement du bras droit à amener par exemple une balle dans l'étagère ou à saisir un objet, qui va, elle, finalement, avoir des contraintes en termes de localisation, de précision complètement différentes. Le but de la première séquence de tâches, c'est juste d'amener le robot devant l'étagère de façon à ce que l'étagère soit dans l'espace d'accessibilité du bras, et la deuxième tâche, elle, va être vraiment, finalement, juste de s'assurer que la position relative de la poignée, du poignet par rapport à la balle, à l'objet à saisir, ou la position où l'objet doit être déposé, que cette précision, cette position relative-là soit correcte. La totalité, la quasi-totalité des contributions, donc, à l'exception notable de RoboTeam, ont été faites dans le cadre de ROS, qui est à la fois une communauté de développement robotique et un ensemble de logiciels pour le développement d'applications robotiques. Mon travail a porté notamment sur l'intégration et la conception de trois logiciels principaux. VisTracker, donc l'algorithme a été développé au sein de l'INRIA Rennes, mais tout un travail a été réalisé pour passer finalement d'un algorithme de vision à un composant robotique. Parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir un algorithme qui, à partir d'une image, en extrait une position d'un objet dans l'image, mais il est nécessaire de s'occuper de la propagation des informations de calibration, d'être certain que la représentation et les modèles qui sont utilisés dans les différents composants soient cohérents. Il est nécessaire de s'assurer un comportement en cas d'échec de l'algorithme. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, un algorithme de vision va tendance à avouer son échec lorsque la position de l'objet n'est pas estimable. Là, dans le cadre d'un composant robotique, on a un comportement voulu qui est complètement différent, qui est de dire, eh bien, au lieu d'échouer, tant que ça ne marche pas, recommence, peut-être que ça va finir par fonctionner, ou demande de l'aide à un autre composant robotique, par exemple le planificateur, qui peut fournir une estimation de la position de l'étagère ou de la balle à ce moment de la trajectoire. La deuxième partie a été l'intégration du système de capture de mouvement, donc plutôt là un logiciel industriel, RCPDF, qui est une proposition d'extension des modèles de robots pour les robots humanoïdes. L'un des points clés, finalement, de la robotique humanoïde, on l'a compris, ce sont la présence de contact qu'il faut planifier et représenter. Ce formalisme a proposé un codage pour les points de contact des robots humanoïdes avec des forces maximum qui permettent d'étendre les logiciels habituels de la robotique pour les faire fonctionner également sur les robots humanoïdes. Et une dernière bibliothèque de traitement des modèles robotiques. Il faut voir que la totalité du portage de l'architecture a été réalisée durant cette thèse, c'est-à-dire qu'on est passé finalement de démonstration robotique qui était principalement de la découverte, et il a fallu réaliser à la fois la partie contribuer à la partie actionnement, la lier à la planification et ajouter une partie perception. Donc le portage sous ROS du contrôle, la liaison, la possibilité pour l'actionnement de recevoir des données de l'extérieur a été réalisé durant cette thèse. La capture des données capteurs, donc centrale inertielle, capteur de force, vision, donc les quatre caméras du robot qui peuvent être utilisées soit de manière indépendante, soit couplées pour former des paires stéréo et réaliser de la vision stéréoscopique, et la planification en partenariat avec Antonio Elcuri pour unifier la représentation des modèles de robots et s'assurer assurer la cohérence de composants différents qui vivent ensemble pour former un scénario complexe. J'ai également travaillé à l'amélioration des bibliothèques bas niveau et de l'architecture logicielle pour la partie planification, HPP, le planificateur pour les dédiés à la robotique manuelle. Enfin, la valorisation de ce travail dans la communauté robotique a été réalisée via la publication d'un document de référence pour l'interopérabilité des systèmes au sein de ROS. Donc, la REP 120, REP étant ROS Enhancement Proposal, qui est désormais accepté par la communauté. Typiquement, voilà le genre de résultats d'outils qui ne sont pas développés ici, mais de leur intégration au sein du groupe Gepetto, c'est-à-dire que finalement, on a récupéré des logiciels qui sont faits au départ pour la robotique mobile, et on est capable, par exemple ici, de reprojeter le modèle du robot dans l'image capturée par une des caméras du robot. Ce type d'intégration est long, compliqué, mais extrêmement nécessaire, puisqu'ici on vérifie que la représentation du monde qu'on a correspond à la réalité.
Il faut donc ici avoir une description fidèle de la chaîne cinématique et de la géométrie du robot, la possibilité d'acquérir la valeur et des encodeurs en temps réel, et avoir une calibration correcte des caméras pour s'assurer que finalement, il n'y a pas de biais entre le monde et la représentation du monde au sein du robot, ce qui est une source majeure d'échecs en robotique. En conclusion de cette présentation, finalement, cette thèse a été marquée par une forme de polyvalence, dans le sens où j'ai travaillé à la fois dans la partie perception, enfin, au moins en termes d'intégration, dans la partie des décisions, dans la partie action. La contribution majeure de cette thèse étant la correction de pas pour les mouvements de précision, les mouvements de locomotion de précision. Il reste encore à valider des scénarios plus complexes qui prennent en compte à la fois la locomotion et la manipulation. Il reste encore à intégrer, à améliorer nos logiciels de planification pour pouvoir intégrer la planification des séquences d'asservissement visuel pour pouvoir non seulement avoir des trajectoires qui soient correctes, au sens qui respectent les contraintes qu'on se donne, mais sur lesquelles on puisse s'asservir en pratique. C'est-à-dire finalement, on va être tenté de privilégier des trajectoires qui passent près de la mer visuelle ou qui vont être capables de faire de telle sorte que les algorithmes de localisation sous-jacents, qui sont décidés par la planification, qui devraient être décidés par la planification, se comportent correctement. Et il reste encore un gros travail d'amélioration sur la localisation du robot, puisque le problème, c'est que l'utilisation de caméras sur un robot humanoïde est complexe, parce que les séquences d'images sont bruitées, sont floues, à cause des mouvements rapides qui sont provoqués par la marche, et à cause des éventuels impacts qui réalisent des mouvements de caméras qui sont difficiles à supporter par les algorithmes de vision. En plus, il est nécessaire de pouvoir utiliser différents algorithmes de localisation selon les scénarios envisagés à différents moments qui permettent de contrebalancer ces difficultés et d'assurer une précision qui soit pas seulement précise, puisqu'il n'y a pas de solution idéale en termes de localisation, mais qui soit précise au moment qu'on veut, qui ait les bonnes propriétés. Lorsqu'on termine le mouvement de manipulation, finalement, l'erreur de localisation tend vers zéro. Ce type de comportement dans une architecture complexe reste à déterminer à l'heure actuelle et ouvre la porte, une fois que tous ces composants de base sont assemblés, vers des démonstrations qui seront plus proches de ce que l'on tente en robotique mobile, c'est-à-dire avec la présence d'actions de haut niveau, d'ouverture de portes, avec la possibilité d'intégrer de la supervision et du raisonnement de haut niveau, soit des ontologies ou d'autres mécanismes de raisonnement qui permettent finalement d'abstraire les problèmes bas niveau de la robotique humanoïde, générer une trajectoire stable, pour les remplacer par des problèmes d'IA, et qui est comment réaliser finalement la tâche que l'on a assignée au robot. Voilà. Ceci conclut ma présentation. Je vais essayer de répondre aux questions du jury. Merci Thomas pour cette présentation, qui est l'aspect de la partie. Donc je vais maintenant donner la parole à l'interprèteur qui nous pose des questions sur le problème. Donc c'est le Giraud. Merci Monsieur le Président. Donc, merci Thomas pour cet exposé très didactique. Alors, ben, j'ai bien aimé le manuscrit. Oui. Comme tu le sais, parce que j'ai trouvé très agréable à lire, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu donnes un contexte, tu poses des problèmes, tu expliques les notions, les outils, tu proposes enfin une solution et ensuite tu es bien critique sur ce que tu proposes. Vraiment tes propositions. Donc ça c'est vraiment l'aspect appréciable d'un travail de recherche, de prendre du recul et. Je n'y connais rien en robotique, hein, donc j'ai appris pas mal de choses. Hein, je ne savais pas que les bipèdes dérivaient, la question de la main de Roméo était toujours d'actualité, enfin, comme ça. Donc j'ai deux questions sur la robotique, mais c'est pour y comprendre. Hein, il y a 20 ans, il y avait beaucoup de choses sur les contrôleurs flous. Donc je voulais savoir si avoir une mise au point, quelle était l'actualité dans ce domaine-là. Dans le cadre de Gepetto, nous, on est vraiment ciblé sur les algos numériques. Il y a un travail très important, de plus en plus important dans le domaine de l'apprentissage, qui est finalement comment se débarrasser de Curse of Dimensionality dans le domaine où un robot humanoïde est avant tout
caractérisé par son grand nombre d'articulations, un espace de recherche extrêmement important qui fait qu'on est obligé d'utiliser des algorithmes extrêmement performants, que ce soit de planification, d'optimisation numérique ou d'apprentissage, qui est une autre solution finalement pour arriver à générer des mouvements. À l'heure actuelle, il est difficile, enfin en tout cas dans notre groupe, nous n'essayons pas de faire d'apprentissage ou d'avoir des algorithmes flous. Il y a une raison vraiment très pratique, très bas niveau que je peux donner, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. La charpe de tombe, c'est bon, on n'en parle plus, c'est cassé, c'est bon. Donc du coup, on serait obligé de faire l'apprentissage en simulation, où ce serait extrêmement pénible à faire. Après, évidemment, sur des petits robots comme Nao, par exemple, l'apprentissage, il y a beaucoup de recherches en apprentissage qui sont réalisées, parce que finalement, Nao est beaucoup moins lourd. Il peut tomber, il peut tenter d'apprendre des primitives de mouvement, c'est un autre type de primitive de mouvement, finalement, d'essayer de voir, de partir d'une estimation initiale et de faire de l'apprentissage dessus. Et là-dessus, eh bien, on va être capable d'avoir de la reprise sur erreur et finalement d'avoir un apprentissage qui est fonctionnel, qu'on peut faire. Le gros problème pour nous, c'est finalement que, bah, d'une part, tout simplement, ce n'est pas notre axe de recherche, et deuxièmement, eh bien, on est très contraint par les problèmes des grands humanoïdes, qui sont des humanoïdes qui doivent accepter des solutions justes du premier coup. Okay. Merci. J'ai des questions liées à l'informatique. Enfin, bon, donc, tu dis que la limitation d'un logiciel est connue, c'est beaucoup de tests très différents sont réalisés. Oui. Donc tu dis aussi que finalement, tu n'as pas fait énormément d'expérimentation, ça demande beaucoup de temps. Donc est-ce que tu as des premiers éléments de réponse quant à la robustesse de ce que tu as fait, au passage, à la confrontation à la réalité de mise en œuvre oui. différente que celle que tu imaginais, par exemple? Alors déjà, ce que je peux vous montrer, c'est à quoi ressemble l'architecture finale. Donc, on peut voir qu'il y a énormément de nœuds, donc chaque boîte correspond à un nœud robotique. Et finalement, la question c'est quelle est la probabilité, sachant que chacun de ces nœuds contient du code de recherche, que l'ensemble fonctionne. Et si on n'a pas un minimum rigoureux, la réponse est faible. Et donc on a eu énormément de temps de développement pour arriver à tout faire marcher d'un seul accord. Et on a typiquement deux types de difficultés que j'ai un peu exposées. On a le contrôleur. Celui-là, on sait qu'il marche, on connaît bien nos algos, et dès que quelqu'un change cette partie-là, c'est critique. Je veux dire, il faut une grosse phase de validation. Donc finalement, ça, c'était facile, parce que, bien, d'une part, c'est notre cœur de métier, et d'autre part, c'est un composant tellement critique que les efforts qui sont faits dans ce domaine par l'ensemble du groupe portent leurs fruits, finalement. Après, la deuxième partie a été de passer, finalement, du magnétophone au robot. C'est-à-dire, le LA, c'est une grosse histoire de planification de mouvements, générer des mouvements très complexes, les jouer en boucle ouverte, ça pose aucun souci. On verra notamment cet après-midi avec les démonstrations robotiques, ce sont des choses qu'on arrive à faire facilement. Par contre, là où l'apport était dans cette thèse aussi, c'est finalement de transformer HRP2 en quelque chose qui se comportait plutôt comme un magnétophone et le transformer en robot. Et là, il y a eu une phase très importante, donc notamment d'intégration des capteurs, qui a été difficile d'une part parce que c'est pas le cœur de recherche du groupe Gepetto, de l'autre part parce que les capteurs, c'est ce qu'on comptait avec la réalité. Typiquement, un gros problème, ça a été les algorithmes de vision. Leur comportements sont parfois difficiles à prévoir. C'est-à-dire, par exemple, on a un tracker qui va perdre les contours de l'objet, il va se rattacher au premier gradient qu'il voit passer, ça va générer un mouvement de l'objet de 10 mètres, et le robot va faire un pas de 10 mètres, entre guillemets, s'il n'y avait pas de protection. Donc, heureusement, on a des protections à différents niveaux qui garantissent la fiabilité du système, mais ça reste extrêmement compliqué, notamment d'avoir de la vision fiable, qui soit capable de se comporter bien en intérieur, en extérieur, d'avoir des changements de luminosité. D'autant plus que ce sont des choses qui sont critiques, qui bloquent nos démos. On n'a pas ça, on ne peut rien faire avec de la vision, mais qui ne sont pas notre cœur de recherche. Donc on a un équilibre à trouver entre d'un côté passer du temps à faire de la vision qui, entre guillemets, ne sera pas forcément valorisée très bien, et de l'autre part, finalement, si on a un algorithme qui soit non seulement, pas seulement un algorithme de recherche qui soit très bien, qui ait des bonnes propriétés, mais qui soit facile à intégrer dans nos démonstrations robotiques et robuste à une utilisation intensive, et bien finalement,
perd énormément de temps à tenter de tout mettre en œuvre, finalement, d'arriver à trouver les bons algorithmes pour chaque élément. D'accord. Mais tu as eu des retours donc de la part d'autres utilisateurs de Robotkin qui t'ont dit facile à utiliser ou au contraire, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, j'arrivais pas à rentrer dans le moule que tu as imposé, des choses comme ça. Alors, on a eu une bonne expérience, c'est celle de Florent, puisque un an et demi après qu'on ait posé l'interface de Robotkin, il s'est dit bon, j'ai un autre problème, c'est un moindre carré, c'est un problème d'optimisation, et je vais faire du Robotkin. Et moi, j'étais un peu perplexe, je me suis dit, bon, un moindre carré, c'est quand même complètement différent des problèmes que moi j'avais affrontés durant mon stage. Je me suis dit, bon, on va voir comment on fait. Et finalement, Florent était capable de dériver une classe moindre carré, qui est une somme de fonctions, et arriver à intégrer le logiciel de manière simple. Après, j'ai également eu des demandes des utilisateurs qui ont été demandées du développement. Par exemple, on avait des contraintes qui étaient de RN vers R. On m'avait demandé d'implémenter les contraintes de RN vers RN pour des questions de représentation mathématique. C'est-à-dire qu'en fait, le Hessien de RN vers RN, c'est un tenseur. Et d'abord, il n'y a pas de bonne bibliothèque de tenseurs, alors qu'il y a des milliards de bibliothèques de matrices, pour une raison simple, c'est qu'on n'a jamais envie de calculer d'un bloc, parce que c'est une structure de données trop grosse pour ça, qui demande trop de calculer. Donc du coup, on a dû faire des choix, parfois, dans l'architecture de Robotkin, qui se sont relevés limitants. Mais on a réussi, finalement, à contourner les problèmes ou à étendre les interfaces au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des cas où Robotkin, logiciellement parlant, peut contraindre les utilisateurs, mais on n'a pour l'instant pas eu de cas où, en tout cas, le formalisme limitait les utilisateurs. Après, la deuxième partie qu'on n'a pas peut-être suffisamment testée, c'est le surcoût à l'exécution. C'est-à-dire que nous, on a des coûts tellement importants que, par exemple, avoir une petite perte dans les interfaces à cause des méthodes virtuelles, à cause de certains déréférencements qui n'existeraient pas sinon, sont complètement négligeables. On calcule une distance, c'est qu'on doit parcourir des triangles, faire des calculs mathématiques. Le fait d'avoir une méthode virtuelle qui va nous coûter 3 instructions supplémentaires n'est pas du tout problématique. Après, imaginons qu'on sorte Robotkin de son cadre, qu'on fasse pas de la robotique, mais qu'on fasse un problème qui doit vraiment tourner très très vite et chaque évaluation des contraintes, des gradients est finalement super courte. Et bien dans ce cas-là, peut-être que le poids de l'abstraction jouerait. Mais ce n'est pas le cas pour nos problèmes. Ok, la programmation générique, ça ne fait pas peur aux gens? C'est pas un peu challenge? Je pense, oui, ça fait clairement, c'est clair, ça fait peur aux gens, mais ça ne fait pas peur aux gens si c'est bien fait. Dans le sens où finalement, moi j'ai beaucoup de, j'ai pas mal de métaprogrammation à l'intérieur de Robotkin, s'il y a l'utilisation de différentes bibliothèques Boost, qui sont pas triviales, largement pas triviales, et pour un roboticien, parfois ça passe pas. Après, ce qui est intéressant, c'est que toute cette mécanique-là est complètement cachée. C'est-à-dire finalement, je n'ai quasiment pas d'interface avec des templates. Je n'ai pas d'exemple de code ici, mais finalement, on écrit un problème en Robotkin, il n'y a pas de chevron quasiment. Il y a juste un chevron pour définir le type de problème. C'est un moment où il faut lister les types. Mais finalement, on a réussi à voir, la complexité, elle y est, il n'y a pas de souci, mais au moins à la cacher à l'utilisateur. Donc là-dessus, le travail était intéressant. Ok. Dans le manuscrit, tu n'as pas trop mis en valeur les logiciels que tu as développés, les images qui les listent, et tu en parles dans le texte, mais tu n'as pas bien mis en valeur, tandis que là, tu t'es rattrapé dans la présentation. Oui. J'ai apprécié ça. Justement, quand on a parlé, tu as dit qu'il y a eu une valorisation via une publi en fait, ce qu'il faut savoir, même si peut-être ici vous n'êtes pas trop concerné, l'AERS maintenant considère que le fait de sortir du logiciel, c'est de la publication. Enfin, on sait que ça demande du travail et en plus de ça, ça demande un travail supplémentaire que de le confronter à la réalité de la communauté. Un peu comme une vraie publication papier. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui ont du code de prototypage, de recherche en fait. Et là, on est en train de dire, si on le sort, c'est
d'un coup on passe à la dimension supérieure, ça passe, d'ailleurs ça demande trois fois plus de temps que le prototypage. Ça c'était bien. Donc maintenant j'ai des questions un peu plus méta liées à ça. Ce que j'ai aimé dans le manuscrit, c'était finalement, à un moment donné, tu as énoncé une liste de difficultés, puis tu as dit, donc voilà, maintenant il faut de véritables bonnes pratiques pour l'informatique dédiée aux roboticiens, pour réaliser des expérimentations. Oui. J'aimerais bien avoir le même catalogue de bonnes pratiques, mais cette fois-ci pour l'informatique dédiée aux robots. Oui. Et en particulier, là, tu parles de ROS, que je ne connais absolument pas. Je suppose que ce n'est pas les radars, la couverture latérale. Non. Il y a des acronymes partout. Donc, quelle serait la bonne pratique? Déjà, je pense, pour remettre un peu de contexte, ROS est un middleware robotique qui permet la communication à la base entre composants robotiques, qui a été développé par Willow Garage, une start-up américaine qui a fait un robot Google qui s'appelle le PR2, dont on a un exemplaire ici, et qui est extrêmement bien conçu à la fois logiciellement et sur le plan matériel, qui finalement symbolise la transition du robot qui était fait à la main dans les laboratoires de recherche, qui était vraiment également eux des objets de recherche, vers des robots de recherche industriels finalement. Et donc, les bonnes pratiques viennent d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont poussé la communauté d'une part à s'unifier, derrière un seul type de composant robotique finalement, et ils ont également poussé pour avoir, et ils poussent encore les gens à avoir des bonnes pratiques logicielles, qui va passer par des processus de certification des composants robotiques. C'est une discussion qui est à l'heure actuelle sur la Made in Israel, qui est de dire, déjà il y a quelque chose d'idiot au bouquet. Très technique, là, pour le coup, quand on a un logiciel, il y a deux façons de l'avoir. Soit on l'a sous forme de source, soit on l'a sous forme de binaire. Or, générer des paquets binaires qui sont beaucoup plus faciles à installer, à utiliser, demande un travail considérable. Parce qu'on est obligé de compiler sur chaque plateforme, et sur chaque plateforme, on est obligé de le tester. Il y a toujours des problèmes de portabilité. Et l'une des choses qu'ils ont fait, c'est donner à la robotique une possibilité de leur envoyer les logiciels pour qu'eux, ils les compilent sur leurs ordinateurs et qu'ils génèrent ces paquets binaires. Rien que le fait de l'avoir fait sur VIS pour l'algorithme de suivi, ça m'a remonté énormément de problèmes. Et là, déjà, et inversement, maintenant que c'est fait, eh bien, il faut faire pt-get install et le logiciel vient tout seul. Rien que ça, en termes de bonnes pratiques, le fait de. Ça force à avoir des releases, des versions officielles des softs, d'avoir des cycles de gel des fonctionnalités. On a également cette possibilité ensuite de les rendre facilement accessibles à la communauté. Et c'est là que finalement, sans que ce soit vraiment une méthodologie, le cercle vertueux commence. Parce qu'ensuite, après, moi, j'ai continué, doctorant moyen, j'ai fait bon, j'ai besoin d'un autre truc, j'ai cassé une API, et puis je vais faire une release. Je me suis fait taper sur les doigts par un utilisateur qui a fait non, mais écoute, je comprends pas, là, ça marchait hier, j'ai fait une mise à jour, ça marche plus. Et là, finalement, le fait de diffuser les logiciels change le contexte. Et finalement, on enclenche un cercle vertueux. La deuxième possibilité, mais qui est extrêmement longue, c'est la partie simulation. C'est-à-dire, on travaille énormément là-dessus, mais il est nécessaire de pouvoir simuler complètement toute l'architecture robotique. C'est-à-dire simuler la vision, faire marcher un algorithme de vision dans un rendu 3D, ce qui est en général très peu fonctionnel, parce que typiquement, sur un rendu sans texture, c'est clair que les gradients sont plus faciles à trouver et sont plus marqués. Ensuite, s'apercevoir, renvoyer ces données aux autres composants, être capable d'avoir une architecture de simulation complète. Ça fait partie des bonnes pratiques. Et l'une partie de mon travail aussi au centre de Gepetto a été d'embarquer un simulateur dynamique qu'on utilisait déjà pour simuler des mouvements en boucle ouverte, et finalement simuler la vision, intégrer la simulation de la vision, intégrer la communication, pour que déjà sur l'ordinateur de quelqu'un qui fait de la robotique, on puisse simuler la démo de A à Z sans avoir besoin de commencer à perdre du temps sur le vrai matériel. Tout ça en fait partie des bonnes pratiques. Et on espère aussi, à l'avenir, suite à cette discussion, qu'il y aura des méthodologies de test proposées par ROS, qui sera de dire, première étape, c'est de faire un paquet binaire, parce que déjà, ça marche, ça compile à défaut de marcher. Et la deuxième étape, ça va être de dire, si vous faites de la vision, il faut que vous ayez telle interface, et que vous fassiez ça, ça, ça et ça, sinon, vous pouvez toujours mettre votre logiciel, mais on n'en fera pas la promotion. Ça, c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de discuter.
Et c'est un problème récurrent en robotique. Il faut savoir que, alors que la planification a plus de 20 ans, il n'y a toujours pas un ensemble de tests standardisés adoptés par la communauté en planification qui dirait l'algo A est meilleur que l'algo B parce que sur cet ensemble de tests, je suis plus rapide. Ça n'existe pas. Et le problème, c'est que comme tu dis, c'est en train de changer, mais finalement, c'est pas un travail qui était très mis en valeur avant dans la communauté scientifique. Il fallait vraiment quelqu'un qui fasse l'effort de faire cette proposition à la communauté, et c'était pas valorisé, ça n'a pas été fait en planification, par exemple. Ok. J'ai un dernier jeu de questions. Oui. Dans ta conclusion, tu donnes aussi des perspectives liées finalement au robot, à la partie robotique, et pas à la partie informatique. Donc là, tu as fait un gros travail informatique, mais dans les perspectives, c'est la robotique, c'est plus l'informatique vraiment. La question multiple, les questions sont les suivantes. Quelles pourraient être les perspectives informatiques d'amélioration de tout cet environnement pour l'informaticien en instantané, on regarde ce qu'il y a et qu'est-ce qui serait améliorable finalement, hormis ce que tu as dit là. Tu as dit que pour le déplacement, pour la trajectoire du robot, son déplacement, il y avait un véritable équilibre à trouver. En fait, c'est peut-être un peu pareil pour le TESAR, qui était dans ta situation tout à fait au début. Il y avait un équilibre à trouver entre avoir les outils informatiques et puis faire avancer la recherche en robotique. Absolument. J'aimerais bien, cette fois-ci, si tu prends du recul par rapport à ce que tu as fait, si tu regardes rétrospectivement et tu te dis, si c'était à refaire, où est-ce que je remettrais le point d'équilibre entre les deux parties, robotique et informatique? C'est une question difficile finalement, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire sur RoboTeam, et là je pense au niveau du stage en tout cas le point d'équilibre a été trouvé, je pense vraiment, parce que finalement ce qui s'est passé, c'est une des choses que RoboTeam s'est mal géré, c'est qu'il y a un glissement. Plus je réfléchissais à améliorer l'interface de RoboTeam, à dire est-ce qu'on peut exprimer plus de choses, par exemple, quelque chose qui est un problème complètement récurrent en termes d'optimisation, c'est les variables d'optimisation ne vivent pas dans les mêmes espaces. Un vecteur d'optimisation, et puis les trois premiers, ça va être RL, qui est en E3, espace euclidien, tout va se passer bien, puis après on va avoir un angle. Et là, typiquement, une tentation que j'ai eue a été de dire, il y a des outils de métaprogrammation, on pourrait très bien exprimer que toutes les cases, finalement, n'ont pas la même importance. Et là, typiquement, c'est quelque chose sur lequel on a reculé, parce que ça demande un tel investissement, et surtout, il y a un glissement qui se fait vers les outils de calcul symbolique. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on aimerait avoir, c'est dire, d'une fonction F1, d'une fonction F2, la fonction F3, c'est F1 plus F2, donc il n'y a pas besoin de recalculer le gradient, on sait comment faire, ça peut généraliser avec une composition de fonctions, etc. Et en plus, à l'intérieur, il va y avoir des variables d'optimisation de différents types. Ça, typiquement, c'est quelque chose sur lequel on s'est arrêté. Après, il y a eu la deuxième partie de la thèse, qui a été vraiment une partie plus robotique. Là-dessus, le choix était difficile, parce que d'une part, il y avait un contrat qui était entre mon encadrement et moi, qui était de dire, finalement, c'est une thèse d'intégration, le but, c'est on va essayer d'aller plus loin, et de se dire, comment est-ce qu'on fait de la perception, comment est-ce qu'on fait de la décision, quelles sont les informations à véhiculer, comment les véhiculer, comment formaliser ça, et surtout, il faut arriver à plus de démonstrations possibles. Et là, finalement, c'est ce que je disais, c'est que l'équilibre avec la vision, pour nous, il est extrêmement difficile, parce que on n'est pas des gens de la vision, c'est à peu près comment ça marche, mais ce n'est pas notre cœur de métier, et sans vision, on ne peut rien faire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autres capteurs sur la vision. On n'a pas d'équilibre à trouver. C'est soit on fait l'effort de mettre des algorithmes de vision et on peut faire quelque chose, soit on reste en simulation, et voilà. Donc là-dessus, c'est pas un équilibre à trouver, on est pris en otage, véritablement. Et là-dessus, il n'y avait rien à faire. Après, c'est clair que si je recommençais ma thèse à l'heure actuelle, le contexte serait complètement différent à cause de Ross. Je pense, c'est évident qu'il y a une mutation complète de la communauté robotique qui est en train d'être réalisée. De gens qui étaient plutôt des matheux, des gens de la mécanique, des gens qui viennent des maths, on est passé à des informaticiens, et notamment parce que l'industrialisation de la robotique, même de la robotique de recherche, a fait que les gens de Willow Garage, c'est des anciens de chez Google, ils ont fait des interfaces que
aucun autre informaticien aurait pu penser, qui sont d'une qualité assez exceptionnelle et qui, du coup, nous facilitent le travail. Et finalement, via ces bonnes bases qui ont été fondées, qui ont été financées, je veux dire, quasiment à perte, d'une certaine façon, par Willow Garage, on a des choses de base qui permettent, si maintenant un doctorant revient et refait de la robotique à l'heure actuelle, et bien, il n'a aucune raison de ne pas s'appuyer là-dessus et de dire, et bien maintenant, bah, j'ai des briques de base, et au lieu de m'amuser à concevoir les pièces de mon Lego moi-même, et bien, je vais juste empiler les pièces et ça va aller bien vite, bien plus vite. Et donc du coup, finalement, on est dans une situation qui est à l'heure actuelle complètement différente de celle de la situation dans laquelle j'ai commencé ma thèse, et j'espère que ce ratio qui est assez normal dans une thèse d'intégration robotique, une thèse pratique qui est de dire je fais 80% de développement logiciel et 20% de science, peut-être que maintenant, grâce à ça, on pourra avoir 60-30 ou 50-50 un jour, on peut toujours rêver. Une dernière question, as-tu entendu parler de la notion de recherche reproductible? Non. C'est un terme qui ne me dit rien. Ah, du coup, la question tombe à plat. Oui. Dans beaucoup de domaines, et ça vient de la physique, les chercheurs se sont plaints que les résultats publiés n'étaient pas reproductibles si facilement. Oui, parce que les paramètres étaient un peu flous, parce qu'il manquait des descriptions de méthodes, d'expériences, etc. Maintenant, avec l'informatique, les simulations, ça peut revenir un peu plus au même si le code n'est pas ouvert, si la personne n'est pas à même de reproduire exactement l'expérience, on va dire avec le même type de robot et rigoureusement les mêmes paramètres, pour être capable de vérifier, non seulement de vérifier, mais aussi reproduire très vite pour améliorer, pour être capable de se comparer, donc pour améliorer l'existant. Pas perdre du temps à refaire ce qui a déjà été fait maintenant. Oui. Donc là, moi, je vois un lien avec ta démarche et cette notion de recherche reproductible il faut en pousser les différentes communautés à mettre le doigt dans l'engrenage et puis à lire. Il y a beaucoup de gens qui commencent à réfléchir à ce que les bonnes pratiques pour la recherche reproductible. Oui, tout à fait. Pareil, dans le même contexte que tout à l'heure, Ross a instauré un système peu utilisé, parce que finalement, peu d'équipes de recherche en sont capables à l'heure actuelle, de dire, eh bien, je mets des papiers sur le site. Mais un papier, c'est quoi? C'est un PDF, une vidéo et un papier Ross. Et ce triplé, finalement, devrait être unitaire et dire, non seulement j'ai des résultats, mais en plus, je vous dis comment les refaire. Et ça, je sais pas, il y a peut-être 5-6 papiers pour l'instant sur ce système, et avec un tutoriel relativement détaillé qui le permet. Mais après, on a toujours un problème en termes de logiciels, qui est de dire les logiciels deviennent rapidement obsolètes. C'est-à-dire les APK ne sont pas capables de compiler des programmes d'il y a 5 ou 6 ans. Donc ça pose des limites à cette approche, mais c'est vrai que la recherche reproductible passe par l'unification de la communauté, de toute façon. Et l'unification logicielle, mais aussi l'unification matérielle. C'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où les laboratoires de recherche créaient leurs robots, ils prenaient des pièces, des mécaniciens, ils faisaient de l'électronique, et évidemment, même s'ils le voulaient, ce n'était pas possible de refaire le même robot quasiment. Alors que désormais, on a des robots qui sont usinés, qui sont conçus, qui sont produits à des dizaines d'exemplaires. Et donc finalement, même en dehors de la partie logicielle, l'objectif final, c'est de dire, condition, change l'environnement, ça a toujours un impact, de s'adapter aux contraintes de l'endroit où l'expérimentation est faite, eh bien, on devrait être capable de faire de la recherche reproductible également sur le véritable robot, et de dire, si j'ai un algorithme qui permet d'aller chercher une bouteille dans une étagère, avec mon étagère et ma bouteille, en adaptant le code qui est attaché au papier, je devrais pouvoir y arriver, lui faire des comparaisons pertinentes. Ok, merci. Merci pour la question. Donc, je donne la parole au second rapporteur, David Kiger. Merci. Donc, je voulais dire aussi que j'ai beaucoup apprécié son travail, que le manuscrit était agréable à lire, bien écrit,
compréhensible, assez didactique. Bon, il y a des parties où j'ai eu un peu plus de mal, genre la page sur le lambda calcul, c'est pas du tout mon truc. C'était plus difficile pour moi. Donc j'ai beaucoup aimé ton travail, notamment parce que je suis complètement conscient des difficultés auxquelles tu es confronté pour une thèse expérimentale. Hein. Tu réalises des choses, tu fais marcher les choses sur le robot, surtout des robots de cette complexité-là. Bravo pour tout ça. Dans mon rapport, j'ai dit que c'était un petit peu dommage que tu n'aies pas un peu plus comparé certaines de tes contributions à l'état de l'art, à ce qui existe, à d'autres auteurs. Ce qui n'est pas vraiment une critique, étant donné les contraintes, le travail que tu as réalisé. Mais du coup, j'ai quelques questions là-dessus. Donc, par exemple, sur les paquets d'optimisation, alors tu dis qu'il n'existe pas ou n'existait pas de système, d'ensemble qui permettait de faire ce que tu voulais. Alors, je ne conteste pas, c'est probablement vrai, je ne connais pas très bien le domaine, mais il y a des logiciels ou des programmes qui permettent de tester plein d'algos d'optimisation. Alors, je pense à MATLAB par exemple, ce qui n'est pas du tout appliqué à ton cas, sans aller plus loin dans l'analogie. Mais du coup, dans ce que tu as apporté, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à tout ce qui existait par, quelles sont vraiment les nouveautés par rapport à ce package le typage fort, je pense, qui est le problème que de MATLAB, c'est que ce sont des langages dédiés au prototypage d'applications de recherche, qui se rapprochent de l'écriture naturelle, d'un langage de script qui n'a pas des propriétés de typage importants. Et l'une des difficultés, finalement, qu'on fait de la robotique, c'est le faible typage qui est intrinsèque au problème d'optimisation numérique. C'est-à-dire, finalement, je ne sais pas, on récupère le code d'un serveur web, d'une application graphique, on a un type bouton, on a un type fenêtre, on a un type scrollbar. Je veux dire, jamais le compilateur sera capable de mélanger un bouton et une fenêtre. On a le code, les codes numériques qui, eux, n'ont pas du tout ce type de propriété. C'est-à-dire, par exemple, on a un élément, je ne sais pas, qui vit dans SE3, qui est non linéaire, qui peut être mélangé allègrement dans tous les codes d'optimisation à l'heure actuelle, avec, je ne sais pas, un angle avec une translation, ou enfin bref, n'importe quoi, parce que juste, pour un ordinateur, un nombre flottant, c'est un nombre flottant. Et la question était de savoir si finalement, est-ce qu'on peut dépasser ça, et à l'aide des fonctionnalités du C++, qui est un langage extrêmement puissant, arriver à assurer une certaine correction, parce que avoir un code qui fonctionne, c'est bien, mais pour qu'il soit réutilisable, il faut aussi avoir de la documentation, etc., mais avoir la possibilité de détromper l'utilisateur. C'est-à-dire de dire, écoute, tu viens de mettre un angle dans une variable qui est censée attendre une translation, est-ce que... Enfin, c'est pas possible. Et RobotTeam ne le fait pas en termes d'éléments dans lesquels vivent les variables d'optimisation, mais le fait en termes de complexité. C'est-à-dire de dire, eh bien, j'ai du gradient, j'ai des siens, et on ne peut pas tout mélanger. Eh bien, ce type de comportement n'existe pas à ma connaissance, même dans IPOPT, qui est un solver qui lui-même fournit plusieurs solvers, même CFSQP, qui est un solver imbriqué dans un autre, même sur des paquets, mais qui sont des regroupements de brick et broc, comme on peut en trouver sur Internet, qui sont plein de solvers différents, qui peuvent éventuellement être compatibles ou interchangeables, mais au bout d'un typage nul. Ce qui rend les applications robotiques, qui sont quand même des problèmes d'optimisation complexes, très difficiles à partager, très difficiles à démêler en pratique. Et c'est là-dessus, en fait, que la contribution est faite. Et donc, toujours sur ce thème-là, une question assez différente. Tu as une approche, en fait, qui est celle de la thèse, où on va, qui est probablement la bonne approche pour faire ça, où on va définir une fonction de coût et puis les contraintes, et typiquement, si j'ai bien compris, dans ces contraintes, il y a les autocollisions, il peut y avoir les collisions avec l'environnement. Ma question, c'est comment passer d'un robot avec des capteurs qui va éventuellement faire la cartographie, éventuellement avoir une carte de l'environnement 3D, à ces contraintes. Et est-ce que ça va rentrer facilement dans tes types de fonctions? Comment ça va se passer? Est-ce que cette approche est adaptée à ça? Est-ce qu'il faut arriver à quelque chose d'intermédiaire? Alors, je ne sais pas comment tu fais très exactement, par exemple, dans tes démos. Tes contraintes, est-ce que c'est deux ou trois fonctions mathématiques qui définissent que tu passes entre les deux chaises
ça est touché, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus complexe derrière? Est-ce qu'il y a une phase de transformation de l'environnement en représentation mathématique, ou est-ce qu'on peut aller taper directement dans une table qui va nous dire là c'est possible, là c'est pas possible? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour faire ce passage, ou est-ce que c'est... En fait, le passage n'est pas réellement fait à cet endroit-là, dans le sens où RoboTeam n'est pas utilisé dans le contrôleur temps réel, parce qu'il a été développé en parallèle de mon stage, même auparavant, et on avait eu le projet de fusionner les deux, mais ça ne s'est pas fait pour le train temporel. Et finalement, en fait, on vient là à un problème d'espace des tâches. C'est-à-dire de dire, bah, finalement, on a un espace de configuration du robot, notamment sa position, sa vitesse, son accélération, qui est l'espace des actions possibles, et on a des contraintes. Et finalement, ce que nous a donné l'optimisation et ce qui nous sauve les grands génériques là-dessus, c'est que la transformation se fait par le passage et le raisonnement dans l'espace des tâches. C'est-à-dire finalement, il n'y a aucune transformation de l'environnement qui est réalisée, au sens où, je ne sais pas, des méthodes analytiques qu'on avait au début de la planification en 2D, où finalement, bah, si le robot est considéré comme un cercle dans le plan, on va élargir les obstacles pour pouvoir juste planifier le mouvement d'un point. Cette transformation n'est pas faite, on préfère plutôt se dire, eh bien, on va exprimer nos contraintes dans un espace qui est naturel pour le problème, enfin, la contrainte qu'on veut exprimer. Donc, je ne sais pas, par exemple, pour les collisions, ça va être notre espace des tâches, c'est l'espace euclidien, translation-rotation, de dire bah, quelle est la distance dans cet espace-là entre deux objets. Et finalement, après, dans la résolution, eh bien, on va lier cet espace des tâches à l'espace des configurations du robot, et le solver va trouver. La contrainte finalement va faire passer, et là pour justement décrire comment est-ce qu'on passe dans l'espace des tâches à l'espace des configurations dans lequel le solver va raisonner pour tenter de trouver une meilleure solution. Et finalement le travail est réalisé ici, il n'y a pas de représentation intermédiaire vraiment claire à mon sens. Cependant, ce travail de trouver finalement des transformations finalement entre les espaces de tâches et l'espace des configurations, l'espace des solutions, est un travail difficile et long, et s'il ne peut pas être abstrait vers un modèle supérieur, en tout cas il est important de le généraliser, puis surtout de le réutiliser en l'encapsulant dans des contraintes polyvalentes qu'on peut brancher dans différents types de problèmes. Mais à mon sens, pas naturellement, je ne vois pas de représentation intermédiaire vraiment d'un point d'optimisation. Vraiment, tout le travail est fait dans les fonctions. On n'a pas de table de correspondance. C'est vraiment un travail purement de mathématiques analytiques. Voilà. Et dans les perspectives, dans ton manuscrit, tu parles d'un projet qui a été lancé par les Américains, par la DARPA, oui. De faire un robot qui va conduire une voiture, casser des murs à la place, etc. Quand on voit le travail que tu déploies pour marcher, éviter les objets, passer entre deux chaises, se rapprocher des étagères, est-ce qu'on peut espérer faire quelque chose pour aller un peu dans cette direction? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que, d'une part, une fois qu'on aura réussi à résoudre les problèmes de base de la robotique humanoïde, qui sont la locomotion particulière et le nombre important de degrés de liberté des robots humanoïdes, finalement, on va ramener le problème de la robotique humanoïde à un problème de robotique mobile. On a notamment André Hier, qui est un doctorant qui a fait un travail où, à la place de planifier des pas et générer des trajectoires comme je les ai présentées ici, a un algorithme qui met les pas dans un problème d'optimisation et on peut contrôler de manière virtuelle la vitesse du centre de masse pour tirer le robot et il va déplier ses pieds et générer les pas en ligne. Ce type de pas permet de s'abstraire de la robotique humanoïde pour passer à un problème finalement quasiment de robotique mobile. Et bien, une fois qu'on en est arrivé là, finalement, tout marche, que tout est intégré, qu'on a réussi à prendre en compte toutes les spécificités, on va pouvoir retravailler sur réintégrer tous les résultats de la robotique mobile, c'est-à-dire les résultats de nos deux autres groupes de recherche du LAS, par exemple, qui sont sur la supervision, sur l'exécution de tâches de haut niveau. Et la récupération et finalement le fait de pouvoir se ramener à une sorte de robot mobile avec un système de locomotion complètement abstrait va
probablement représenter un facteur d'accélération très important sur la capacité des robots humanoïdes. Après, de là à dire que le DARPA est réaliste, il y a encore un pas à franchir qui, je pense, sera difficile à franchir, surtout étant donné les contraintes temporelles très courtes qu'ils ont imposées sur ce projet avec les premiers résultats l'année prochaine. Et sachant que si finalement il y a des projets phares, des produits très implantés comme le PR2 pour la robotique mobile, on n'a pas de plateforme officielle de la robotique humanoïde, ne serait-ce que parce que tous les problèmes mécaniques et de conception physique des robots humanoïdes ne sont pas résolus. Le jour où ces problèmes-là seront résolus, on pourra avoir une convergence de la communauté, et finalement c'est la convergence de la communauté vers un logiciel et une plateforme matérielle qui produira le facteur d'accélération qu'on est en train de voir avec le PR2. Okay. Sur un autre thème, donc sur la méthode de correction de trajectoire que tu as fait, je trouve qu'effectivement on va passer par là un moment, donc c'est un très bon pas dans cette direction, qu'elle veut dire. Tu parles pas beaucoup, alors bon, j'imagine que c'est difficile à évaluer, du domaine de validité. Oui. Dans quel cas ça peut marcher, jusqu'à quel écart la trajectoire on va arriver à retomber sur ses pieds. Et tu compares également, enfin tu analyses aussi la précision d'un algo de localisation. D'ailleurs, je ne précise pas vraiment quel est l'algo, Et du coup, alors d'une part, ce domaine de validité, comment tu peux l'estimer, et est-ce qu'on se rapproche de ce que peut faire un bon algo de domaine visuel, ou est-ce qu'on en est encore loin ou... Le problème, c'est que d'une part, on est, de toute façon, ce qui va principalement limiter, ce sont deux facteurs différents. Première, dans le cas où on a vraiment une dérive extrêmement importante, ça va être l'espace d'accessibilité des jambes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la correction, parce que la correction n'a pas marché précédemment, ou parce que vraiment on a beaucoup dérivé, on arrive dans l'espace de l'accessibilité des jambes, il faut faire ce que tout humain ferait, c'est-à-dire s'arrêter et replanifier. C'est-à-dire à partir d'un moment, il y a toujours cette borne-là qui sera pas dépassée. Enfin, en termes de stabilité, la correction de la trajectoire de centre de masse utilise un modèle linéaire, simplifié. Et le problème de ce modèle linéaire, c'est qu'il introduit une divergence entre, d'une part, le modèle physique réel complet et cette approximation. Plus la correction est grande, plus la divergence est grande. Et il est difficile, à l'heure actuelle, de borner l'espace dans lequel cette approximation est raisonnable et ne met pas en jeu la stabilité du robot. Et pour l'instant, ce que je fais, ce qui est fait dans le code à l'heure actuelle, c'est une heuristique. C'est-à-dire finalement, là, c'était des essais-erreurs. On a testé différentes valeurs, et on a trouvé de manière empirique une borne qui nous permette de se dire, là-dedans, au moins, c'est sûr, ça fonctionne. Une fois qu'on en est là, il y a un deuxième problème, qui est de dire, eh bien, le pas corrigé, soit il n'est pas faisable géométriquement parce que le temps est trop loin, soit il est en autocollision. Et malheureusement, les calculs de distance représentent un coût extrêmement important qui est difficile à implémenter en temps réel. On a eu des approches qui est de pré-traiter un certain nombre de données, de configurations de référence, d'en faire des tables qui peuvent être chargées et permettre de valider très rapidement si deux configurations des pieds sont en collision ou pas. Mais il y a un travail qui reste à faire aussi ici pour passer pour intégrer ce travail à l'intérieur de l'actionnement, sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'actionnement c'est la partie critique du robot, tout bug peut potentiellement casser le matériel. En pratique, l'heuristique qui est utilisée à l'heure actuelle est de dire que je corrige vers l'extérieur systématiquement. C'est-à-dire, si je corrige mon pied droit, je le fais aller systématiquement plus vers la droite, il ne pourra pas rentrer en autocollision. Et après, on borne le déplacement maximum pour pouvoir éviter de générer des pas infaisables. De la même façon, quand on marche avec le pied gauche, corriger vers la gauche. L'avantage, c'est comme il y a une séquence alternée des deux côtés, et bien finalement, dans le pire des cas, on délaie la correction d'un pas. C'est-à-dire, il faut que je corrige vers la gauche, mais mon prochain pas, c'est un pas avec le pied droit. Finalement, je vais attendre le pas d'après, de bouger avec le pied gauche pour aller me corriger dans la bonne direction. Cette heuristique a l'avantage de ne rien coûter en termes de temps de calcul,
mais évidemment est une approximation qui finalement ne pénalise pas tellement le résultat final, mais en tout cas le délai. C'est-à-dire, imaginons qu'un HRP2 marche à côté d'un ravin, un pas plus tard, c'est un pas trop tard. Donc du coup, il faut être capable de pouvoir gérer ce type de cas, et là-dessus, précalculer les configurations d'autocollision, par exemple, peut être une solution. Et donc, en termes d'ordre de grandeur, l'écart gérable à territoire, c'est Là, on est 5 cm tous les deux pas. Et une dernière question pour terminer. Donc tu as introduit un formalisme qui permet de donner des piles de tâches à réaliser au robot, donc des tâches qui s'empilent si elles ne se contraignent pas, si elles ne se perturbent pas les unes les autres. Donc ça te permet déjà de faire un certain nombre de comportements intéressants, voilà, regarder quelque chose en se déplaçant, ou éventuellement attraper un objet pendant qu'on marche. Donc ça permet de représenter un certain nombre de comportements, mais il y a une limitation à l'expressivité de ce que tu peux faire. Il y a d'autres approches, par exemple, sur lesquelles on a pu travailler dans le passé, par exemple chez le Komorobi, oui. Absolument pas les mêmes objectifs, absolument pas les mêmes contraintes, hein, qui sont des différences colossales, mais qui met beaucoup plus l'aspect sur l'aspect événementiel, c'est pareil, il y a d'autres approches comme le chorégraphe, qui va programmer le NAO, qui fait ça avec des nœuds. Bon. Absolument. Où est-ce qu'est la limite entre les deux? Est-ce qu'il manque vraiment des choses importantes dans formaliser les piles de tâches telles que tu l'utilises? En fait, et comment on peut faire? Absolument. Un choix a été fait dans la partie primitive de mouvement, un choix qui pour le coup est radical, et de dire qu'une primitive de mouvement, cette séquence de contrôleurs différents, de tâches différentes, n'a pas d'événementiel. C'est-à-dire que finalement, on sait qu'on va d'abord pendant 2 secondes faire telle chose, puis pendant 3 secondes faire telle autre chose, et il n'y a pas de logique. Pour une raison simple, c'est qu'introduire de la logique, introduire de l'événementiel, c'est compliqué, ça demande beaucoup de code, et dans un composant critique comme un contrôleur, c'est pas forcément le meilleur endroit pour le faire. L'autre chose plus entre guillemets terre à terre est de dire, bah, finalement, si on arrive à avoir un composant robotique qui génère des plans de mouvement purement temporels, pour lui, un langage événementiel ou un langage parallèle peut être utilisé pour ensuite implémenter un superviseur. Et le superviseur, lui, il doit être parallèle. Il doit pouvoir réfléchir à la fois, être capable de s'apercevoir qu'une caméra a planté, que le robot n'est pas du tout là où il devrait être, qu'il faut faire telle ou telle action tout de suite, arrêter le mouvement, le replanifier. Et ça, le superviseur doit être capable de le faire. Mais la question est de dire, faut-il intégrer tout ce travail, qui est un travail extrêmement important, qui occupe des thèses entières au LAS, à l'intérieur d'un endroit qui est spécifique à HRP2, ou est-ce que finalement, en sortant l'événementiel du plan de mouvement, on se situe à un niveau où le fait d'être dans un robot humanoïde importe peu finalement. La seule chose qu'on a, on a donc d'un côté un plan de mouvement qui va être vraiment la mise en œuvre bas niveau du mouvement avec les détails de trajectoire de centre de masse, et au-dessus, laisser cette partie supervision événementielle, qui est difficile à borner en temps de calcul, qui est difficile à exprimer, qui représente un travail de développement important, finalement, il suffit de le déporter. Même en dehors d'Urbi, juste une machine à état fini, on peut très bien partager une machine à état fini entre PR2 et HRP2 en donnant les bonnes abstractions, en disant, par exemple, s'il y a un écart trop important par rapport à la trajectoire de référence, tu arrêtes et tu replanifies un plan de mouvement. Le plan de mouvement sera différent entre HRP2 et PR2, mais à mon sens, il n'y a pas de raison de le mettre dans le contrôleur. Alors on peut imaginer de l'événementiel qui est un peu plus banal, entre guillemets. Par exemple, si on imagine un robot contrôlant en force, et que, voilà, on détecte que pendant un moment, on est en train de cogner quelque chose, ou de croiser quelque chose. Alors peut-être que ça peut déjà se représenter dans les piles de tâches que tu as définies, ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? De manière technique, en fait, on a deux parties dans le contrôleur qui sont complètement distinctes. On a d'un côté quelque chose qui est un espèce de simulique. Des boîtes, des signaux d'entrée, des signaux de sortie. D'un côté, au départ de la boîte, on a l'état des capteurs qu'on a, qui peuvent être traités en temps réel, comme tu dis, les capteurs de force, la centrale inertielle, la position des encodeurs. Et de l'autre côté, on a le cupon, la commande pour les moteurs. Et finalement, à l'intérieur de cette boîte, la question c'est, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut créer des boîtes, les brancher, et à l'intérieur de chaque boîte, c'est du code C++, donc on peut y avoir des événements, peut y avoir
C'est notre mécanisme de formalisation à nous des contrôleurs, et là-dessus on branche un solver qui va être le solver de pilotage qui va réaliser une génération de la commande en prenant en compte les vrais problèmes de la robotique par rapport à l'optimisation numérique classique, qui est de dire, alors qu'en optimisation numérique classique, ça n'a pas de sens de donner une réponse à un problème d'optimisation où toutes les contraintes ne sont pas satisfaites, en robotique, ça a tout à fait un sens. On préfère perdre l'asservissement sur une amère et garder l'équilibre, plutôt que d'attendre 2 secondes de plus d'avoir une réponse parfaite, mais où le robot sera déjà par terre. Et donc du coup, on arrive, et notre façon d'implémenter nos contrôleurs à l'intérieur du groupe est de dire, on a des boîtes qu'on met ensemble, et on a un solver qui va ensuite se charger d'évaluer ça. Et typiquement, le superviseur qui est très limité dans mon travail, qui est juste de dire je passe d'une pile de tâches à une autre à des temps donnés, donc, est une forme d'événementiel qui est introduit à l'intérieur du contrôleur. Mais une fois de plus, le composant est tellement critique et on est tellement contraint par les temps de calcul, et c'est pas fini parce que pour du contrôle en force, il faut monter à 1 kHz, ce qui signifie que nos algos sont malgré tout toujours trop lents. Et bien, ces types de contraintes font que gérer des langages comme Ourbi ou de l'événementiel, même au sens strict, où il est difficile d'avoir une représentation séquentielle vraiment de l'ordre dans lequel se font les mouvements, et bien, dans ce cas-là, ça a tendance à nous faire reculer et à nous faire demander est-ce qu'il y a un moyen, quitte à être sous-optimal, de le mettre ailleurs, à un endroit où, si ça échoue, c'est moins critique. Merci David. Donc, maintenant, on passe la parole à Rodolphe Gélène. Merci. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai bien préféré la présentation au rapport, que j'ai trouvé un peu brutal, parce que le début, par le côté très informatique, m'a un peu dépassé. J'aurais quelques explications si tu veux bien un sujet. Et parce que l'intitulé de la thèse me plaisait beaucoup, parce qu'on en a déjà parlé avec Florent, je regrettais que tous les travaux de Gepetto soient beaucoup sur la planification hors ligne, sur des modèles, et ne se confondent pas à la réalité. Donc la partie référencée capteur m'alléchait beaucoup, et donc rentrer sur le côté très mathématique et informatique m'a un peu déçu, et je préférais l'approche de la planification. Et donc justement, je me demandais, est-ce que tout le travail que tu as fait sur la généricité du solver, là, oui. Est-ce que du point de vue robotique, c'est pas un peu pour te faire plaisir? Parce que dans les faits, est-ce que, oui. À quel moment tu t'en sers, le fait que tu puisses aller chercher un solver ou un autre? Eh bien, je pense qu'on a deux exemples qui sont extrêmement parlants dans ce cas-là. C'est Antonio Elcuri qui a, durant sa thèse, changé 3 fois de solver parce qu'il n'avait pas le bon comportement, parce que son calcul n'était pas adapté, parce que il y avait certains solveurs ont des particularités dont on a besoin. Et là, le deuxième exemple, c'est Karine Bouillermann, pareil, qui a changé de solveur également durant sa thèse, pour les mêmes raisons, parce que finalement, c'est peut-être une mauvaise raison, mais on n'est pas des numériciens. C'est-à-dire que finalement, un algorithme comme CFSQP ou IPOPT, pour le comprendre, bien le comprendre, il faut vraiment rentrer dans le détail. Et surtout en début de thèse, quelque chose qui est difficile, et surtout avoir bon du premier coup, je veux dire, que ce soit dans une thèse ou même en logiciel généralement parlant, c'est difficile. Et donc j'ai beaucoup de cas de gens qui ont changé de solver au cas où, simplement parce qu'ils se sont aperçus que le solver A convergeait alors que le solver B ne convergeait pas. Parfois même sans avoir d'argument théorique derrière, c'est-à-dire les stratégies de recherche sont différentes, les minimums locaux arrive vite en robotique, on peut tomber dedans et parfois ça peut être problématique. Et alors là, il y a 2 solutions. Soit vraiment on est un numéricien, et là on est, tac, je sais pourquoi, il faut changer la stratégie de recherche, j'implémente mon algo, pas de problème. Et soit on est un roboticien et on a déjà 12 000 choses à faire, et finalement, le fait de pouvoir passer de A à B, à la limite, en poussant sans comprendre, est un gain, au moins en termes de réalisation de la thèse et en termes de prototypage rapide. Et après, c'est vraiment une question de logique, c'est-à-dire on a d'abord envie de formaliser le problème, de tenter de voir jusqu'à quel point on peut avoir des gradients analytiques, jusqu'à quel point on peut trouver des astuces qui vont limiter l'espace de recherche, avant de se poser la question de savoir quel solver utiliser, puisqu'ils imposent tous
des contraintes particulières en termes de représentation des fonctions, etc., qui ne sont pas qui sont contraignantes du prototypage. Je retiens, ça a plus aidé d'autres des arts que toi, en fait. Oui, moi j'ai. Oui, tout à fait. Ma culture, hein, tu as exposé ce que c'était qu'un problème là, sur le transfert en 15. Alors, par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Dans un problème, est-ce qu'il n'y a pas l'objectif à atteindre aussi? Est-ce que tu parles d'une... Dans le problème, en fait, l'objectif à atteindre est finalement, de manière implicite, donné par la fonction de coût. Le but étant d'obtenir un point d'arrivée. Ah, non, c'est pas celui-là, moi je pensais. Ouais, et finalement, en fait, ce qu'on se dit, c'est que cette fonction de coût, elle va permettre. Comment dire, il y a deux solutions. Soit on a un espace de recherche qui est de taille raisonnable, et finalement c'est très facile, on fait un bitmap, on discrétise, on trie les valeurs, on se dit, paf, ça, c'est bon, c'est notre valeur minimale, on va là, problème résolu. Dans la robotique, on est dans le deuxième cas, qui est de dire, bah, finalement, on a des espaces de recherche qui sont tellement grands que les discrétiser, c'est pas possible. Et en faire un tableau pour tenter d'explorer complètement, c'est pas possible. Alors il y a deux solutions. Soit on y va au hasard, comme les algorithmes de recherche probabilistes. On prend une position, on regarde si c'est mieux, on tente de la lier à la position précédente et on construit une trajectoire comme ça. Soit, finalement, on a un problème avec une fonction de coût, on a une estimation initiale, et là, l'objectif à atteindre, c'est de dire, bah, je vais tenter d'avoir un point avec un coût plus faible. Mais il n'y a pas de, ben, je veux dire, il n'y a pas de point d'arrivée défini, parce que souvent, d'une part, on ne sait pas le caractériser, et d'autre part, parce qu'une fonction de coût permet une sorte d'évaluation paresseuse de la qualité des solutions dans l'espace des recherches. Ah oui, et sur celui d'après, tu as une expression qui est très jolie. J'ai pris deux expressions que j'aimais beaucoup. Il y avait la zoologie des solveurs. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé, si c'est un terme consacré. C'est une bonne question. Zoologie, ça existe, solveur, ça existe. Après, l'expression, je ne sais pas. Et puis sinon, sur quoi que le transparent d'après ou deux après, le design pattern décorateur. Ouais. Alors là, si c'est très joli, mais je ne vois pas du tout le rapport avec ça. Typiquement, en fait, de la même façon qu'on essaie de faire en sorte que les briques de logiciels robotiques soient réutilisables, on a à un moment, 3-4 personnes ont écrit un livre qui s'appelle sur les design patterns, qui est devenu une forme de référence en termes de modélisation informatique. Et dedans, ils ont essayé de se dire, finalement, ben, un problème d'informatique, c'est quasiment tout le temps la même chose. On va avoir un arbre, on va le traverser. On va avoir une ressource unique, qui est liée à du matériel, on va appeler ça un singleton. Une seule personne pourra y accéder à la fin. Et on va avoir une séquence d'actions, qui sont faites dans un logiciel, par exemple Photoshop ou GIMP. On va d'abord appliquer telle chose et telle chose. Et on veut avoir une façon informatique de représenter comment renverser ces actions, revenir en arrière. Eh bien, tout ces design patterns, ces motifs de conception en français, peuvent être imbriqués pour réaliser des logiciels qui, en utilisant des solutions de l'état de l'art, soient compréhensibles par d'autres informaticiens plus simplement. Dans le sens où, finalement, pour des problèmes proches, tout le monde va utiliser la même solution, avec la même formalisation, de manière à ne pas avoir à perdre du temps à réapprendre comment le problème a été résolu par telle personne ou telle personne. Dans ce cas-là, un décorateur, tout du moins en C++, est caractérisé par une chose qui est très nette et très facile à comprendre, c'est le type dérive du type par lequel il est paramétré. Ce n'est pas du tout naturel, mais ça nous permet de casser une complexité, une explosion combinatoire, qui est de dire finalement, c'est comme les fonctions, on peut avoir les fonctions dérivables, les fonctions continues, et puis à partir du moment où on a deux critères, la combinaison de plusieurs critères réalise une explosion combinatoire. En général, l'exemple qui est dans le livre de référence, c'est de dire, bah, par exemple, on a une fenêtre, cette fenêtre peut être équipée de barres de défilement horizontales, de barres de défilement verticales, et de barres de défilement horizontales et verticales. Et bien, bah, à partir de là, il n'y a absolument aucune raison de dire, ajouter une barre de défilement, c'est un type particulier qu'on va écrire et qui va être lié à la fenêtre. Je ne vais pas ajouter une barre de défilement à autre chose, et surtout, comment dire, avoir une barre de défilement horizontale et verticale, c'est la combinaison de deux décorations d'une classe de base, qui est la classe fenêtre. Et de la même façon, ici, on décore
on ajoute des fonctionnalités à une classe de base. C'est-à-dire, finalement, un décorateur, c'est quelque chose qui dérive d'une fonction, enfin d'un type de base, pour fournir la même interface que lui, et qui ensuite va le prendre en entrée et va, au départ, forwarder, donc renvoyer tous les traitements au type qu'il encapsule, sauf certains qui vont être ajoutés au type de base et les décorer. Ici, la décoration est faite sur le calcul des gradients jacobien, où finalement, pour évaluer la fonction f, eh bien, on va juste faire fonction.compute pour dire, eh bien, j'ai une fonction à l'intérieur de moi-même, je vais lui demander de s'évaluer parce que je ne sais pas en fait ce qui est fait. Mais par contre, je vais pouvoir également implémenter une différence finie. C'est-à-dire, pour le gradient, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire function.compute de x plus epsilon, et je vais en déduire un gradient. Et évidemment, l'une chose importante, c'est l'interopérabilité, avoir des fonctions interchangeables. Et pour ça, on va dériver du type que l'on décore pour être certain de fournir la même interface que lui et qu'on puisse l'utiliser à la place de celui de base. La localisation, est-ce que tu crois qu'à terme, le robot aura besoin de localisation? Justement, si on va vers le référentiel capteur, est-ce que l'avenir des robots, c'est de ne plus avoir de localisation, mais juste des objectifs dans l'espace, comme la poignée de porte, comme la pièce d'à côté, et après tout, la position x, y, θ dans l'environnement? Oui, c'est une très, très bonne question, mais c'est extrêmement pertinent dans le sens où c'est vrai qu'après tout, l'objectif d'un robot n'est jamais d'arriver à x égale 1, y égale 2, mais d'arriver d'abord à une position telle que la poignée soit dans l'espace d'accessibilité du bras, puis de mettre la poignée sur la porte. Et en fait, on se fiche complètement du repère global dans ce cadre d'utilisation précis. Et je pense qu'en effet, pour asservir des tâches, un repère global n'est pas pertinent dans le sens où on a juste envie d'avoir une propriété qui est de dire l'erreur de localisation décroît au fur et à mesure qu'on découle la tâche. Après, ce n'est pas que lié finalement au repère envisagé. On peut très bien avoir un repère global, mais l'important, c'est de dire que dans ce repère global, il y a la tâche, qui n'est pas forcément unique, on a cette bonne propriété-là. Et finalement, je pense qu'en effet, pour asservir les tâches, un repère local, servicapteur, est suffisant, mais qu'un repère global restera nécessaire pour les parties au niveau, c'est-à-dire pour représenter le monde. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut réellement une représentation géométrique, ou est-ce qu'on veut quelque chose de plus abstrait, une représentation de cartes topologiques, ou de zones différentes, sous un formalisme ou un autre, est-ce un problème ouvert? Et c'est là aussi où c'est intéressant de découper la partie robotique humanoïde, ou la partie bas niveau, d'une partie haut niveau, qui ne sert pas du tout les mêmes objectifs, mais je pense que les deux sont nécessaires, mais ne servent pas le même but, finalement. Et c'est en ce sens que, là encore, moi, c'était un peu dommage que l'exemple que tu prennes sur la correction de la localisation, parce que justement, voilà, c'est l'objectif à terme n'est pas de se localiser, mais de attraper des objets. Mais je comprends bien que vous allez commencer par un cas de prise en compte de données concrètes, et ça, c'est déjà un petit peu. Et quand tu parlais de la mauvaise vision aussi, ça, c'est quand même le vrai problème, et ça rejoint la question qui était posée avant, sans jeu de mots, c'est la gestion, c'est le flou pour traiter la mauvaise vision, c'est peut-être une bonne solution, ou le probabiliste, et voilà, et comment tu, pour toi, est-ce que tu dis, ma méthode, il faut que les gens se débrouillent pour avoir une vision qui marche, ou est-ce que tu pourras intégrer dans tout ça le fait que l'optimisation, il sait qu'il va prendre en entrée des valeurs qui sont un peu, sur lesquelles il y a de l'incertitude, est-ce qu'il y aura un moyen d'intégrer ça dans cette méthode, ou est-ce que tu dis, c'est le boulot des autres d'avoir des bons capteurs? Il y a deux parties à ça, c'est-à-dire que, évidemment, la progression des capteurs rend la tâche de la robotique plus facile, et ça, je pense, personne ne peut le nier. Mais d'autre part, c'est vrai que... mais on est également contraint par les logiciels qu'on utilise. Par exemple, le logiciel de suivi d'objets, Visp, a intégré, depuis leur dernière version, un nouveau travail où on a non seulement une pose, mais une covariance sur la pose. Et à partir de là, une information de covariance, pour nous, c'est extrêmement précis. Parce que d'une part, on peut voir si la précision finalement donnée par le tracker est raisonnable pour que ce soit intégré
dans la commande. Et d'autre part, ça nous permettrait également à terme de définir des zones où la précision est plus ou moins importante. C'est le problème de la falaise, finalement. Si le robot marche dans une salle, à la limite, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas besoin de se localiser. Je veux dire, s'il faut faire 3 pas en plus, au bout, il peut s'arrêter, éventuellement replanifier, ça ne pose pas de difficulté, ce n'est pas critique. Après, c'est vrai qu'il sera nécessaire, je pense, de définir également des zones où finalement on rend compte la largeur des couloirs dans lesquels HRP2 se déplace. C'est-à-dire finalement, si on a 2 objets à 1 cm de distance à gauche et à droite, on a une covariance sur la pose de l'armoire ou du couloir sur lequel on se localise pour localiser la position du robot, et bien si cette covariance est plus grande que l'espace libre autour du robot, dans ce cas-là, il faut s'arrêter, et c'est le rôle du superviseur d'avoir une décision, de dire, bon, est-ce que j'échoue, est-ce que je change de composant de localisation, est-ce qu'il y a une action autre à réaliser, et là-dessus, il y aura un travail qui correspond à... qui n'a pas été fait, qui sera, en effet, d'intégrer les couloirs de précision qu'on a lorsqu'on exécute une trajectoire en boucle fermée, sachant qu'il y a un travail plus près de ce que je vais présenter ici, qui est déjà de dire, on choisit sur quelle amère on va se localiser lors de la planification, on peut instrumenter nos algorithmes pour déjà qu'ils prennent en compte, non seulement qu'ils nous donnent une trajectoire qui soit exécutable géométriquement parlant, au sens du matériel, mais qui se prennent également en compte la localisation, l'incertitude sur la localisation, c'est également là que ça peut être intégré, pour dire, non seulement cette trajectoire est faisable, mais en plus, étant donné les performances habituelles du composant de la localisation choisi et la position, par exemple, l'orientation de la tête durant ce mouvement, il est raisonnable de penser que cette trajectoire va être exécutée avec une précision suffisante pour ne pas échouer, même s'il y a un passage étroit à un certain moment. Merci. Tu as une dernière question ? Tu as pas mal parlé, on n'a pas beaucoup parlé, mais dans le manuscrit de profond, on voit le mot sécurité apparaître. Tu peux me dire un peu plus ce que tu mets derrière ce mot-là et comment le travail de la thèse améliore la sécurité dans le fonctionnement du robot? D'une part, la sécurité, je pense de manière naïve, s'il fallait le définir, c'est de ne pas faire n'importe quoi et donc de s'assurer qu'à tout moment, entre le plan qui est valide, qui a été validé par des calculs en général longs de planification, si on sait qu'à tout moment on n'est pas à plus de 2 cm du plan initial et qu'on a 2 cm d'espace libre à tout moment au niveau de notre environnement, il y a une forme de sécurité qui joue, qui est de dire on est sûr que non seulement le mouvement va marcher vraiment, pas seulement en simulation ou en animation, mais également en pratique. Ça, c'est le premier objectif vers lequel on veut tendre, sachant que c'est toujours difficile ensuite de prendre en compte tous les aspects. C'est extrêmement limitatif. S'il y a des changements d'environnement, par exemple, ça peut également valider notre plan. Mais c'était le premier pas dans lequel on a fait une direction. Le deuxième critère, c'est de dire finalement comment est-ce que on peut faire un contrôleur robotique qui soit sûr. Et ça, il n'y a pas vraiment de réponse à l'heure actuelle. Des méthodes formelles ou des preuves de programme pourraient nous permettre de dire, mais certains, à un moment ou à un autre, que la commande qui est envoyée sera cohérente avec les entrées. Et ça, typiquement, on en est encore loin. Toutes les validations des contrôleurs sont de manière complètement empirique et sont le fruit de travaux expérimentaux, mais pas de travaux théoriques. Et là-dessus, il y aurait certainement un objectif de recherche pour tenter de voir ça. À l'heure actuelle, il est extrêmement difficile d'obtenir ce genre d'objectif, et c'est pour ça aussi qu'il est nécessaire de minimiser la quantité d'algorithmes des contrôleurs. Je vais prendre un exemple informatique. Vous avez un système d'exploitation. Le système d'exploitation a un noyau. Dans un noyau, on minimise le code à l'intérieur. Parce qu'on sait que s'il y a un plantage dans le noyau, il n'y a plus rien à tirer d'un ordinateur, on reboot, et c'est tout. Et donc, de la même façon, il n'a jamais été très clair de savoir où était la limite entre ce qu'il fallait mettre dans le noyau et ce qu'il fallait mettre ailleurs.
Et je pense que l'une des propositions sur la primitive de mouvement, c'est de dire, bah, cette ligne, moi je l'ai tracée, de dire, bah, une séquence temporelle d'action avec les trajectoires de référence, ça on l'envoie, ça forme un bloc unitaire d'exécution de mouvement sur le robot. Après, il faudrait, ça n'a pas été fait, avoir des stratégies d'arrêt en cas de changement trop important de l'environnement, par exemple, avoir la possibilité de planifier dans le contrôleur deux pas d'arrêt le minimum possible pour avoir la possibilité d'interrompre le plan. Mais ce sera nécessaire, je pense, dans les années à venir, de limiter la taille de ce composant critique au maximum. Et c'est pour ça que la ligne a été tracée, de dire l'événementiel, la logique, à cause des problèmes, je viens ne serait-ce que de prouver l'arrêt d'une machine de Turing, font que mettre une borne, arriver à prouver que ce type de comportement va être cohérent, finir, et finir dans les temps impartis, est trop compliqué à mon sens. Donc moi j'ai pas de questions, juste un petit commentaire sur la présentation que j'ai trouvé très pédagogique, et surtout ce que j'apprécie c'est que tu mets bien en valeur toute la partie un peu immergée de l'iceberg qui est la partie intégration, ce qu'on appelle beaucoup ici le travail d'intérêt général, c'est-à-dire tout ce qui sera sans doute réutilisé à l'avenir par d'autres. Donc ça, je trouve que c'est appréciable, et puis le fait que tu le revendiques, c'est une chose aussi très bien. Sinon, je n'ai pas de questions. Bon, donc je vais avoir le plaisir de conclure en stressant les questions. Donc, tout d'abord, donc, te féliciter pour à la fois pour cette présentation, et puis aussi pour la qualité de ton travail au sein du GVCO durant toutes ces années, puisque tu as vraiment eu un rôle clé sur le développement logiciel, et ton travail montre que même si ce n'est pas toujours évident de mettre en évidence, de montrer l'importance de cette action, on sait qu'elle est indispensable et qu'elle est présente à plein de niveaux, et que plein de personnes autrefois vont bénéficier de ce que tu as développé. Donc tu as toujours été vraiment prêt à répondre à toutes les sollicitations pour que la vie d'équipe se renforce, et donc en ça je te félicite et je te remercie. Donc j'ai quand même des questions à te poser par rapport à ce travail. Donc moi, il m'a intéressé tout particulièrement parce que moi, j'ai une formation de mathématiques pure, et donc j'assiste depuis quelques années de plus en plus à ce décalage du centre de gravité, de la connaissance du roboticien, de problèmes, comme tu as dit, qui pouvaient être d'origine mathématique ou mécanique, et qui viennent de plus en plus vers le génie logiciel, et donc ça devient de plus en plus difficile pour des personnes comme moi d'arriver à décortiquer le jargon et de savoir de quoi il retourne. Et là, typiquement, tu as montré l'importance de la représentation informatique dans ton travail, et tu as proposé donc un typage fort pour arriver à améliorer les questions de temps de prototypage, de sécurité, d'unification des problèmes. Et puis, donc après, tu dis qu'il y a des limites à ça, donc des limites évidemment liées au langage que tu utilises, et des limites liées donc à des choix que tu fais, donc d'utiliser le même typage pour des variables d'optimisation, pour des fonctions, des problèmes de hiérarchie que tu fais apparaître, donc qui ne correspondent pas à ce qu'il y a pour les problèmes réels. Donc moi, pour un problème mathématique, j'arrive à savoir ce qui est meilleur, enfin une solution qui est meilleure. Et là, comment est-ce qu'on peut évaluer le fait que ta représentation va être pertinente, elle va être meilleure qu'une autre, et est-ce qu'il y a un moyen un peu standard d'évaluer ça? Difficilement à ma connaissance. Je pense que le meilleur test qu'on peut faire une représentation informatique, c'est le test des ans. C'est-à-dire, par exemple, il y a des représentations informatiques qui ont été conçues pour des domaines et des échelles complètement différentes et qui perdurent encore aujourd'hui. On pensera à la résolution des noms de domaines, les DNS, on pensera au protocole HTTP, Ross s'appuie dessus pour communiquer les informations, et d'une certaine façon, il l'utilise de manière complètement différente de la façon dont il a été imaginé au départ, et en plus,
avec succès. C'est-à-dire que finalement, ce protocole a des limites, mais qui sont contournables, d'une part, et qui n'ont jamais vraiment freiné le développement d'Internet, par exemple. Dans le cadre de RoboCTeam, évidemment, l'épreuve des ans est difficile, donc pour un logiciel qui en a trois. Et la seule véritable point de satisfaction, et j'en parlais tout à l'heure, c'était finalement le travail de Florent, qui a réussi, quasiment sans interaction avec moi, à faire entrer dans un formalisme qui était prévu pour être générique, mais qui m'avait absolument pas pris, par exemple, en compte les moindres carrés à l'époque où on a discuté de cela. Et il a réussi de manière naturelle et sans avoir besoin de faire des efforts particuliers, de faire entrer son type de problème et d'écrire ses contraintes. C'est une preuve, peut-être la meilleure preuve que j'ai eue jusqu'alors, de la bonne conception finalement des interfaces. C'est sur des exemples plutôt que sur les règles, les règles standards. Après, il y a des règles, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'utiliser des design patterns, donc ces fameux motifs de conception, c'est une sécurité, c'est-à-dire de dire, pour un certain nombre de classes de problèmes informatiques, il existe des solutions qui sont vieilles, qui sont connues, qui sont d'état de l'art, comme d'habitude, c'est-à-dire on fait de la recherche, on regarde l'état de l'art, il y a une solution qui marche, on sait qu'elle marche, elle est documentée, elle est standard, tout le monde fait comme ça, on va l'adopter. En informatique, en design logiciel, c'est pareil. De la même façon, on sait qu'un certain nombre de problèmes logiciels ont des solutions qui sont connues, tout le monde fait pareil, on va l'adopter et c'est une sécurité. Mais malheureusement, il est difficile d'y apporter une preuve au sens théorique, de dire, bien sûr, à 100% que tous les problèmes d'optimisation peuvent être rentrés dans ce formalisme. Notamment parce que l'optimisation est très vaste, c'est-à-dire on peut parler aussi de recherche opérationnelle, d'optimisation sur le monde entier. Et c'est vrai que si on poussait le formalisme sur des domaines aussi lointains, entre guillemets, de l'utilisation initiale, on trouverait, si ce n'est des changements radicaux dans l'interface, au moins quelques apports à modifier. Par exemple, ici, on imagine qu'on a des fonctions qui travaillent sur des nombres entiers, des nombres flottants. Et si on devait passer aux entiers, il y aurait des modifications, pas dans l'esprit, mais au moins d'implémentation. Donc, aussi, tu soulignes l'absence d'un système de calcul formel qui serait sous-jacent et qui viendrait compléter ça. Est-ce que tu peux dire un peu plus de la manière dont cette ratio combinée, qu'est-ce que ça apporterait en une réponse rapide, parce qu'on a plus de temps. D'accord. En fait, la difficulté du problème pour la conception d'un problème d'utilisation numérique, c'est d'un côté l'écriture du solver et de l'autre l'écriture des contraintes, des fonctions. Et quand je dis l'écriture des fonctions, pas leur évaluation, l'évaluation des dérivés. C'est la partie compliquée et la partie qui en général ne marche pas si quelque chose ne doit pas marcher. Et donc, plutôt que d'écrire ces gradients à la main, on est capable par des propriétés, des caractéristiques, donc de pouvoir, les sommes de fonctions, la composition des fonctions, la multiplication des fonctions entre elles, on est capable de calculer, de faire des. On est capable et finalement aussi de raisonner purement sur les fonctions mathématiques, c'est-à-dire de les prendre, de les combiner entre elles et de pouvoir générer le code qui calcule le gradient de ces fonctions de manière complètement automatique. Et là, c'est là où on glisse sur le calcul symbolique, dans le sens où il faut pouvoir considérer ces fonctions comme des symboles et ensuite faire des traitements dessus. Ce type de bibliothèque existe, on pourra citer GINAC, notamment C++. Là, il y a plein de systèmes qui sont dédiés, mais représentent un temps de développement très important qui nécessiterait vraiment un gros effort dans leur outil. Alors, un autre commentaire rapide par rapport à donc, la méthode que tu as proposée pour la marche réactive. Et puis le commentaire de Rodolphe d'opposer donc, l'intérêt, là on utilise la capture de mouvement, donc on a un référentiel absolu. Oui. Et puis Rodolphe qui met en avant l'intérêt d'avoir des boucles sensorimotrices et donc des référentiels qui sont locales à chaque type de régulation. Est-ce qu'en fait on doit opposer ça ou est-ce que la vraie question c'est pas de passer à des systèmes de perception embarqués réellement et d'avoir peut-être une représentation unifiée, globale, mais qui soit. Propre au robot lui-même. Ce sera
difficile d'avoir une perception, une localisation unifiée, au moins au sens d'avoir un seul algorithme. Je pense que c'est le propre de la vision et le propre de la difficulté liée à la vision, c'est-à-dire qu'il y a une phase de supervision propre à la localisation. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, imaginons on passe d'une pièce sombre à une pièce éclairée, même un être humain va avoir le premier réflexe, ça va être de s'arrêter. Donc là, déjà, je pense pas qu'on puisse vraiment avoir un seul algorithme. Après, en ce qui concerne les repères globaux ou locaux, finalement, je pense que c'est un faux problème. C'est-à-dire, avant tout, on veut des propriétés sur la localisation, les assurer. C'est-à-dire, avoir une erreur qui tend vers zéro quand la tâche tend vers sa réalisation. Et en fait, tout le travail a été réalisé dans des repères globaux à l'intérieur de cette thèse. Mais certains repères globaux ont cette bonne propriété, c'est-à-dire que finalement, la présentation de ce repère global par rapport aux autres va varier selon les moments, selon les systèmes de localisation, et vont permettre d'arriver à avoir un comportement qui soit adapté. Ce que je veux dire, c'est que chez l'homme, le repère, il est à la fois local, puisqu'il est dans l'individu, mais il est global aussi. La représentation globale qu'on a, elle est toujours locale, et qu'on n'oppose pas quelque chose d'allocentré à quelque chose. Parce qu'on considère les deux niveaux à la fois, c'est-à-dire chez l'humain, il y a d'une part le fait de mettre la main sur le tableau, là-dessus, il n'y a pas de décision, c'est-à-dire il n'y a pas de représentation du monde, je sais, à un moment, je me suis dit, il faut que je passe la main là, je vais tenter d'aller vers ce point-là en traquant, en regardant l'objet, et il n'y a pas de décision, finalement. Et là où le repère global importe, c'est dans la partie de supervision. C'est-à-dire qu'à un moment où, une fois que cette tâche est terminée, ça remonte, et là, on a une représentation du monde, où je vais me dire, bah, qu'est-ce que ça signifie d'avoir mis la main, quelles sont les actions possibles que je peux réaliser à partir de là, est-ce que ça sert l'objectif plus lointain que je m'étais fixé, et finalement, la représentation allocentrée ou pas, finalement, est là surtout pour dire que bah, une architecture robotique, c'est pas un seul niveau, c'est deux niveaux qui communiquent et qui servent des bouts distincts, et il faut arriver à faire parler ces deux niveaux entre eux. Ok, merci Thomas. Donc on va se retirer. Thank you.